Et bonsoir le live. Bonsoir. Salut. Comment vous bonsoir. Allez bien? C'est le week-end pour beaucoup. Bien. Bonsoir Crécré, bonsoir Gurs, bonsoir Clico. Merci pour le sub, merci bonsoir pour le beat. Hein. Bonsoir Azu. Et oui, on a tout juste à la seconde, on n'a pas encore commencé le scénario Azu. Et voilà, c'est ça, là. Installe-toi confortablement. Effectivement, Gurs fait remarquer quelque chose de très juste, c'est que pour le coup, on a tout le monde. Ouais, truc de dingue, hein. Et le son est bon, dit Clico. Nice. On va espérer que ça tienne. Après, bon, on va tout de suite vous prévenir, Discord nous fait quelques misères, nous a déjà fait quelques misères, donc voilà, vous nous en excuserez, ce n'est pas de notre fait, évidemment, comme à chaque fois. Vous avez ouais, on a même Mel Gibson. Ah ouais, me. Il y a trop du guest ici, t'inquiète. Yam, faut prendre le soleil un peu. C'est un écroman. C'est forcément le soleil. Ok. Le soleil, je connais pas. T'as intérêt à prendre soin de Wallace. Eh bien, je vous propose que l'on commencions de ce pas. Oui. Et c'est parti. Je prends mon carnet de notes. Nous sommes au-dessus de la forêt royale, dans le Cormyr, qui couvre en fait une grande partie du centre du Cormyr, hein. Et on voit 5 aventuriers en train de marcher sur une route en destination de Weymouth. 3 d'entre eux se rappellent l'entrevue qu'ils ont eue un petit peu plus tôt à la guilde des aventuriers, entrevue qu'ils ont eue avec Anjak, qui leur a dit que la guilde avait reçu une demande. Une demande de Philfar Trangebois, le bourgmestre de Weymouth, qui dit qu'il a quelques problèmes, en fait, avec des personnes qui séviraient dans son village. La guilde a demandé à Mia, Liam Moi. Et Herbert d'aller s'occuper de cette demande, et en prenant avec eux 2 nouvelles recrues de la guilde, Wame et Sidix. Et donc, ces 5 aventuriers courageux, en train d'avancer dans la forêt royale, laissant derrière eux la guilde des aventuriers ainsi que Arabelle, en direction de Weymouth. La caméra tourne et va s'arrêter sur chacun de nos héros, en commençant par Mia. Je te laisse te présenter. Eh bien, salut à tous, moi c'est Mia, je suis une petite humaine de 17 ans. Je suis une voleuse, une vraie chippie, une vraie relou. Je suis 1m60 pour 55 kg, c'est plus facile pour se faufiler. Je suis vêtue de cuir, j'adore le cuir, et j'ai une jolie petite rapière qui brille, et une petite collection de dagounettes. Caméra continue, s'arrête sur Herbert. Eh bien, je suis Herbert Schadensfrun, gnome de mon état, du haut de 1m11 et de mes 39 kilos, ce qui n'est pas mal. Je suis en être un petit peu vieux, hein. J'ai déjà passé la barre des 160 années, et j'excelle dans l'érudition, la magie et tout ce qui s'apparente à la technologie. Je suis vêtu simplement d'une armure en cuir encore un peu mal taillée, ainsi que de nombreux outils, tournevis et autres marteaux, accompagné par un étrange petit personnage de ma taille, emmitouflé dans une cape. Caméra continue, s'arrête sur
Wame. Bonjour, moi je m'appelle Wame. Je suis descendu de la montagne vers Arabelle pour en quête d'aventure et j'avais entendu parler des héros de Deadlock. Je suis assez légèrement vêtu, juste des tissus. Et par contre, dans mon dos, j'ai une grosse hache et des javelots. Caméra continue, s'arrête sur Liam. Eh bien, Liam est un nécromancien, un humain de 25 ans, qui mesure 1m80 pour 70 kg. Voilà, le combat physique, c'est pas vraiment pour lui. Il excelle plutôt dans la magie noire, magie du sang, tout ça, des connaissances occultes, qui est habillé d'une robe noire classique avec une capuche pour se protéger de ce fichu soleil. Au secours. Ah ouais, il n'est pas trop présent dans la forêt, les arbres couvrant en partie le soleil. Et enfin, Sidix. Sidix, un humain tout simple, rôdeur, chasseur, cueilleur de petites fleurs aussi. Mesurant à peu près 1m70-71, 26 ans, armé de flèches et de carquois, enfin avec des flèches dedans quand même, hein, c'est pratique. D'une petite épée, d'une dague aussi. Et voilà. Très bien. Et donc vous avancez dans la forêt royale, hein, comme je vous ai dit, qui couvre une grosse partie du Cormyr, en route vers Weymouth. Vous avez eu le temps de discuter un petit peu, hein. Wame, Sidix, vous savez que vous êtes là aussi un peu en test pour savoir si vous pourrez intégrer la guilde des aventuriers sous la tutelle de Mia, Herbert et Liam. Pas dans la merde. C'est ce que j'allais dire. Disons que l'équilibre est quand même maintenu entre les trois individus. Oui, ça va. Ils sont jeunes dans la guilde, mais la guilde fonctionne souvent comme ça, finalement, en donnant des missions supervisées par d'autres recrues un petit peu plus vieilles dans la guilde, évidemment. Pas en âge pour Mia. Et donc vous avancez à travers cette belle forêt luxuriante, hein, quand soudain vous entendez au loin des cris finalement, hein, et vous voyez un homme haletant en train de courir vers vous, un vieux fermier. Au secours, ils sont en train de tout détruire, au secours, au secours. Qui ça? Ah, ils arrêtent pas, ça fait un moment, ils détruisent mes cultures, faites quelque chose s'il vous plaît. Et quoi donc? C'est par là-bas? Oui. Oui. Ouais, je m'élance. Et il vous indique en fait, hein, un petit peu plus loin sur la route. Moi je sors ma hache, je tiens ma hache et je cours. Oui, suivant notre ami Wame. Ok, donc je prends mon arc en main, je décoche une flèche, hein. J'ai une flèche aussi. Hein. Tu encoches une flèche, si tu la décoches, tu la tires déjà. Et... Non. On va éviter les premiers fermiers qu'on va croiser, d'accord, c'est pas trop, je vais sinon je tire sur le vieux. C'est juste pour tester. Le coup est parti tout seul, j'étais en train de nettoyer mon arc. Ça a glissé, chef, ça a glissé. Et donc, vous partez tous en courant, hein, et vous arrivez au niveau des champs, en fait, à l'orée de la forêt. Hein, un petit peu plus loin, vous voyez se dessiner la ville, hein, et vous voyez en fait des créatures qui sont en train de tout saccager, en fait, dans les champs. De belles saloperies. Oui, beaucoup, oui, ce sont de jolies saloperies, comme tu le dis. Hein. Oui, ça a l'air d'être des goblinoïdes, en effet. Certes. Et ben la journée commence bien. Ah, si elle avait déjà bien avancé. Arrête de te plaindre. Alors, vous avez 4 créatures comme ceci, 3 comme ceci, et vous voyez la dernière, en fin de compte, hein, qui a l'air de... leur crier, en fait, vous comprenez pas, mais
semblait que ça a l'air d'être des ordres, hein, en fait. Que faites-vous? On fonce dans le tas. Ouais, je me mets en position couverte s'il y a possibilité pour pouvoir. Les cibles sont éloignées ou elles sont toutes relativement groupées à... Bah, elles sont regroupées au niveau du champ, hein. Il n'y a pas une créature qui est... tout le tas, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et elles sont, pour l'instant, elles sont encore loin de nous, je suppose. Il y a encore une petite distance. Elles ne semblent pas vous avoir remarqué. Le champ, c'est, enfin, les plantes ont poussé. Elles sont assez hautes ou Pas trop. C'est un champ de blé, hein. Donc, ouais. Enfin, pour toi, oui, tu pourrais te cacher dedans, hein, au vu de ta taille. Pour moi, ça va être difficile. Pour les autres, ce sera un peu plus compliqué. Mmh. Éventuellement, nous pouvons toujours cramer le champ. Il fait beau, le soleil tape fort. Les conditions sont propices. Alors, je crois que notre chef voulait, le vieillard voulait sauver le reste des champs qu'il y avait. Oui. Si on se débarrasse des gobelins, le champ serait entre guillemets sauvé, du moins à ceux alentours. Mmh. On arrête de causer, on y va? Pour l'instant, vous êtes resté un petit peu, au niveau des arbres, vous avez observé la scène, hein, et donc, vous voyez, ils sont vraiment en train de saccager les champs, hein. À un moment, il y en a un qui arrive, hein, et sur la petite charrette, en fait, du fermier, hein, qui commence à frapper violemment, hein, en cassant une roue. Ils sont décidément bien stupides. Moi, je m'approche jusqu'à ce que je sois à environ 20 mètres d'un gobelin. Ok, ça marche, hein, donc tu approches sans te planquer, hein, t'y vas assez... J'y vais doucement, pour pas trop attirer l'attention, mais je peux pas me planquer, parce qu'à moins de ramper, mais je vais pas ramper. Oui, bon, bah voilà, tu fonces pas, t'avances en fin de compte, hein, pour les autres... Moi, je vais suivre Wame à bonne distance, en restant relativement bas dans l'air, dans le plan, avec mon golem qui fait pareil que moi, qui se baisse un petit peu et qui avance doucement. Ok, ça marche. Moi, j'ai balancé une dague sur le gros qui donne des ordres. Ok, ça marche. Liam, moi, je me mets à porter des sorts pour commencer à affronter des gobelins s'il y a besoin. Ok, tu dis que ça. Ah, à mon tour. moi, je m'avance aussi, mais discrètement. Et je me mets en fait au niveau. Je m'abaisse au niveau que l'herbe arrive au niveau du torse, ça, toujours avec mon arc, et je plante d'autres quelques flèches au sol pour être prêt à tirer. Ok, je me mets okay à ça marche, donc vous avancez. Et moi en approchant, en fait, je range ma hache et je sors un javelot. D'accord. Lance ta dague déjà, Mia. C'est vrai que ta dague part bien, hein, mais ils sont un petit peu loin. Et en fait, tout ce que ça apporte, hein, c'est qu'à un moment, elle tombe, parce qu'elle commence à perdre de la vitesse, hein, et elle tombe, et vous voyez les créatures, du coup, qui entendent ça, et qui se retourne vers vous, ils vous ont repéré. Hé, les bestioles! Moi, je lance un javelot sur... Enfin, s'ils sont à 20 mètres de moi, pas encore, je sais pas. Si, du coup, vous étiez avancé, donc okay. Y a juste Mia qui est un peu en arrière. Je lance un javelot sur un comme ça. Ah, celui du milieu, là. Ok, vas-y. Ok, hein, donc tu prends ton javelot, hein, fou, et il se le prend en fin de compte, hein, il pose un genou à terre en fait, hein, il semble pas mort, mais tu l'as bien blessé, il a un javelot planté dans le flanc. Et je sors ma hache tout de suite dès que je peux. Ok, ça marche. Faites-moi un tour d'initiative. Comment alors? Alors, tu as juste à cliquer sur initiative sur ta fiche. Ok, vas-y, Cidix. Tu peux agir. Je peux agir. Je tire ma première flèche sur la cible la plus proche de moi. Ok, ça marche, vas-y. Je considère que c'est une de ces créatures-là aussi. Tu bandes ton arc, hein, tu tires en fait, hein, et il se prend la flèche en plein dans la gorge. Et il tombe au sol. Et un de moins. Il est mort.
Joli coup. Bah ouais. Du coup, Mia, toi tu agis. Herbert, Liam, vous agissez en même temps. D'accord. Moi, je suis mon visuellement repéré, c'est pas moins de pas possible de passer à outre. Non, non, ils vous ont repéré avec ce jet de dague un peu hasardeux. Ils ont pas d'impression. On lance un caillou, quoi, sur la tête. Le gros bestiau, tout plein de poils à droite, il est à une vingtaine de mètres ou pas? Oui. Ouais, c'est à peu près tout, c'est une vingtaine de mètres. Il a quoi donc, ce qu'il a sur lui, c'est du cuir, du métal, son arme? Il a un peu de cuir, ouais. Un peu de cuir, et puis il a une grosse masse cloutée. Je vais jeter sur un des autres gobelins à l'épée. Oui. Je vais me concentrer et essayer de lui faire cramer, lui faire chauffer son glaive. Ok, vas-y. Le seul qui est encore en état. Parce qu'il y en a un qui est qui sur le sommet. C'est ça. Il y en a un qui. C'est ça. Il y en a un qui est indemne. Bah, je vais jeter ça sur celui qui est indemne. Malheureusement, ça ne passe pas sa défense. Diantre. Yam. Bien moi, je vais appliquer un saignement sur un petit gobelin. Vas-y. Ok, bah tu vois, il y a des... ah non, par contre, c'est une portée de 10 mètres, je vois. T'es encore un peu... Ce cas, c'est qu'ils vous ont repéré, en fait. T'étais en train d'avancer et vous ont repéré. Ah, donc, t'es encore un petit peu loin pour ça. Donc, maintenant, tu peux faire autre chose, si tu veux, ou juste attendre qu'ils soient à portée. Du coup, tu retardes ton action. T'attends que eux jouent, et dès que tu peux faire ça, si tu veux. Ouais, bah, je vais avancer... Ouais. Et si je peux, au cas où, je vais mettre mon sort sans mordant. Oui, est-ce que c'est pas une action limitée par contre? Non, elle est pas limitée. Ok, bah si tu peux, alors donc tu t'avances et. Ouais. Tu t'avances et donc tu te jettes ce sort sur toi-même, en fait, tu concentres ton énergie, hein, tu sens le flux d'énergie en toi, hein, et tu sens ton sang qui semble bouillonner en fait en toi directement. Les créatures vous chargent, donc du coup Liam t'es un peu en premier, hein, donc c'est d'abord celui-là qui est indemne, qui va t'attaquer. Je pense que tu arrives à éviter assez facilement. Je doute que ce soit pas sa défense, hein. Ou tu fais un petit pas de côté, en fait, hein. Il arrive, hein, il essaie de te frapper, tu fais un pas de côté, et tu arrives à éviter son coup d'épée avec facilité. Les quatre gobelins foncent également sur toi. Ah, par contre, comme ils sont en meute, ils ont des bonus. Ouf. Des petits critiques. Oui. Elle, celui-là, il te fait pas du bien. Par contre, peu, du coup, hein. il se prend un des 6 de dégâts, c'est ça. Hein. Oui. Du coup, c'est moi qui dois le jeter le des 6 ou pas? Ouais, vas-y. D'accord. T'as peut-être pas fait une macro par rapport à ça. Et en fait, hein, tu vois qu'il te frappe, hein, il se prend une giclée de sang en fin de compte, hein, il avait un sourire. Ah, au moment où il t'a frappé, en fait, il dit et son visage qui commence à fondre en fait, hein, et il s'écroule au sol. Et il meurt en fait par ton propre sang. Les autres sont un peu surpris en fait, hein, et vous voyez le dernier avec sa grosse masse qui arrive, hein, et lui il fonce sur toi, Wam, et il t'attaque. Et en fait, il court, hein, et il doit se prendre le pied dans une motte de terre dans le champ, et il s'écroule au sol, mais assez violemment, et il tombe dans le champ, en fait, écrasant une partie du blé, et il essaye maintenant de se relever assez difficilement après ça. Ton golem peut agir. Mon golem va se jeter sur le... Ceux qui sont en train de... Il y en a d'autres qui sont encore sur Liam.
Ouais, ils sont. Je vais aller du coup taper finalement celui un comme ça, enfin celui qui reste. Vas-y. Non, ça ne passe pas non plus. Il résiste celui-là, hein. C'est vrai que ton golem arrive mais assez lentement, hein. Essaye de le frapper et il fait un pas de côté. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, hein, qu'il avait loupé Liam juste avant, hein, parce qu'il avait vu ça et donc il fait un pas de côté et voilà, il t'a loupé. Hein, pour tout le monde, mon golem fait la taille d'un nain. C'est un peu petit golem. Voilà, attendez, je vais vous pour mettre, moi il est bien, pour vous il est petit. Tu peux t'en servir comme tu veux. Je vais vous mettre le visuel. Juste deux secondes, je vais vous mettre le visuel du coup de son golem. Voilà. Ah, et en plus, il a la tête d'un nain en fait. Ah ouais, c'est un modèle. Il est le souvenir d'un autre compagnon nain que j'ai eu il y a fort longtemps. Mais c'est une histoire pour un autre temps. D'accord. Nouveau round, Sidix, tu peux agir. Ah bah la même chose, hein. Je retire une flèche sur la cible la plus proche. Ok, ça marche. Pas m'embêter. Je peux lancer. Vas-y, hein, je t'en prie. Ouh. Et tu redécoches une flèche en fin de compte, hein, et tu tues le dernier. Celle-là, il l'a pas évité, hein, et il tombe au sol mort. Vous voyez les trois gobelins qui étaient encore sur Liam qui... Ah et qui commence à se barrer en courant. Du coup, Liam, t'auras une action, une attaque d'opportunité si tu veux sur eux quand ce sera ton tour. Mm-hmm. Ensuite, c'est ta Mia. Moi, je vais m'élancer sur un de ceux-là. Enfin, il n'y en a plus que ceux-là. Ou... Bah non, il y en a un qui est encore qui est blessé, mais du coup, il se relève à peine là. Mais okay, il est un peu plus loin. Je crois que j'ai plus le sprint. Non. Si je peux m'élancer pour lui planter un coup de. Il est un peu plus loin, comme je t'ai dit. Et toi, t'étais resté en arrière. Bah, en fait, tu peux attaquer un des gobelins. Tout à l'heure déjà, mais. Bah, il est mort. Celui qui était en avant. Non, je dis, je pensais être en avant, j'avais pris la tête tout à l'heure, donc. Oui, mais après les autres m'ont dit que tu avançais, et toi tu m'as juste dit je lance une dague. Donc ils t'ont dépassé entre temps. On est d'accord. Ok. Bon bah je vais m'avancer. Donc, tu peux attaquer soit un des trois gobelins, soit celui qui s'est écroulé au sol avec sa grosse masse. Je vais prendre celui qui s'est écroulé au sol alors. Vas-y. Et t'arrives en fait, hein, y'a que ta rapière, hein, tu lui taillades le dos, hein, il pousse un cri de douleur. Apparemment, il a pas apprécié. Pas grave. Ensuite, c'est ta Wame. Tu attaques qui déjà? Bah celui qui est sur moi, pardon. Celui qui est tombé à terre en fait, c'est ça? C'est ça. Oui, oui. Ok, bah ça, c'est un touche automatique du coup, donc. Pareil, ah oui, d'accord. Bah oui, il est à terre, donc. D'accord. Ah putain. Ton coup était un peu faiblard, hein. Ouais, peut-être les muscles endoloris, tu vois, t'aurais peut-être dû faire quelques échauffements avant le combat. Mais bon, tu as réussi à le frapper. Il n'est pas encore mort, par contre. C'est à Liam et Herbert. Je m'avançais pour mettre un coup de bâton. Avec mon super bâton. Donc sur lequel? Sur celui qui est par terre aussi. Celui qui est par terre, en fait, hein, tu lui donnes un coup de bâton. Pff, ce qui a pour... en fait, tu lui écrases le crâne. Il en est mort. Ça passerait pas. Liam, ça, ouais. C'est un bâton magique. Liam. Oui, pardon. Alors du coup de mon côté, il reste que des gobelins, je crois. Ouais, c'est ça. Donc t'en as déjà, tu peux faire une attaque d'opportunité parce qu'ils sont en train de fuir. Donc tu peux faire une attaque avec ton bâton, hein, si tu le souhaites. Une attaque gratuite. Hein.
Vu mes scores, je vais peut-être pas faire un coup de bâton, quoique. C'est une attaque gratuite, hein. Ah, c'est gratuit. Du coup, un petit coup de bâton. Paf. Voilà. Un petit coup de bâton. Et tu peux réagir, agir de nouveau si tu le souhaites. D'accord, ben juste après mon coup de bâton, je vais lancer un sort de saignement. Vas-y. Un... Et il y en a un qui... Oh 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 et il s'écroule au sol, mort également. Hein. Et vous voyez le dernier qui est en train de fuir en poussant des cris. Ah oh 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 oh. Et le dernier, en fait, hein, celui qui avait été blessé, qui était de se relever, et qui, il a pris le javelot et il essaie de marcher, mais il marche lentement. Hein, Sidix lui décoche une flèche pour l'achever, et il s'écroule au sol. Et vous voyez au loin ce gobelin en train de fuir lamentablement. Ouais, reviens pas, hein. J'ai eu un doute qu'il le comprenne. S'en fout. Il sait qu'on est les plus forts. La démonstration était éloquente. Ah, comme ça, vous avez pu juger ces trois recrues. Je les vise, Sidix. Ah, bah, y'a pas de quoi. Et moi, je récupère mes flèches. Si elles sont pas cassées. Tu en avais lancé combien? Bah, du coup, trois avec la dernière, vu que j'en ai tué. J'ai tiré okay. Deux, mais j'en ai la troisième, je l'ai tiré. Ça fait oui, trois. De manière. Alors, juste deux secondes. Ah, malheureusement, t'en récupères qu'une. Les deux autres étaient cassées. Se sont cassées. Et moi, je veux récupérer mon javelot s'il est encore en état. Alors, deux secondes, je te dis ça. Et oui, tu peux le récupérer. Ok. Je ramasse ma dague. Fais-moi un jeu de sagesse pour voir si tu la retrouves dans le champ. Parce que. T'arrives à la retrouver, ça te prend un petit peu de temps, mais t'arrives à la retrouver, hein, et voyez mais le... Mais je vais la retrouver. Attendez. Mais oui. Et le fermier qui vient voilà vers vous, hein. Ah, merci. Ah, merci beaucoup, noble étranger. Cette bande de vauriens terrorise la région depuis quelque temps. Merci beaucoup, hein. Vous avez sauvé mes champs. Laissez-moi vous offrir un rafraîchissement. Avec plaisir, si vous le voulez bien. Ah, je ne dis pas non. Avec plaisir. venez chez moi. Et donc, il vous emmène hein, dans une petite cabane très modeste. Hein. Il y a juste une seule pièce. Vous voyez son lit dans un coin, une table. C'est un studio parisien. Désolé, j'ai pas vraiment. Assez de chaises, mais tenez, il déplace un coffre, asseyez-vous là-dessus, je suis un peu désolé. Et il vous sert. En pas. Il vous donne merci beaucoup, c'est vraiment très gentil de votre part. Il sort 5 gobelets en terre cuite, hein, et vous voyez qu'il sort une petite bouteille, et puis il commence à verser, vous versez un peu de bière dedans. Merci beaucoup. Hein. Qu'est-ce que vous venez faire dans la région On cherche le bourgmestre de Weymouth, c'est ça, hein, Weymouth. Ah oui, bah, c'est un petit peu plus loin la ville. D'ailleurs, n'hésitez pas à lui dire que vous avez rencontré ces créatures. Je pense qu'il sera content que vous les ayez débarrassés d'eux. D'accord. Vous avez dit qu'ils étaient là depuis longtemps? Ça fait déjà quelque temps, oui, qu'ils sévissent dans la région. Ils ont déjà saccagé quelques fermes et ils sont assez embêtants. Mais ils font que saccager ou ils volent? C'est plus du saccage, en fait, que vraiment du vol. C'est quand même surprenant. Les goblinoïdes sont plutôt connus pour la rapine. Je ne sais pas, je mets rarement affaire à ces créatures. Étrange, hein, qui l'ouvre un placard en fait et puis pose une petite fiole sur la table. C'est un remerciement. C'est une petite
petite potion de soin, j'ai pas grand chose, mais acceptez ceci en remerciement. Bah merci c'est beaucoup. Très généreux de votre part. Hein. Vous devriez la garder, ça serait plus intéressant. Ah mais merci, mais je me soignerai. Franchement, je pense que là, maintenant dans la région, ça devrait être un peu plus calme avec ces bandes en moins. Ouais, mais ils étaient peut-être pas les seuls. D'ailleurs, Cédix, tu vas pouvoir me faire un jet de sagesse. Ouais, j'ai bien dit un truc tout à l'heure. Hop, sagesse. Ainsi que toi, Wam. Oui. T'as remarqué, en fait, que sur les vêtements des créatures, hein, tu as remarqué un sigle qui représente, en fait, une main noire, en fait, en train d'écraser un rayon vert. Je vais vous le montrer. Pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Hop. Un rayon vert, c'est ça? C'est ça. Je vous montre ça. Voilà. Ils avaient ça sur leurs vêtements. Quelle grande surprise! Bah, par contre, vous avez l'impression de connaître ce truc-là? Alors, vos personnages, vous ne connaissez pas forcément, hein. Enfin, nous, voilà, non. C'était Agui. Est-ce que je peux voir si moi, j'ai lu des choses là-dessus. Herbert, Liam, je vous autorise un jet de connaissances occultes, si vous avez. Et moi, je peux pas connaître non plus. Hein. Non, toi, tu ne connais pas. C'est genre d'une tabarde sur l'armure qu'ils ont ça. C'est sur le devant, hein, au niveau du torse, ils ont ça sur leurs armures ou sur leurs vêtements, selon comment ils étaient en fait. Ben, je prends ma dague et je découpe l'un des logos. Ok, ça marche. Donc, Liam, Herbert, vous connaissez ce sigle, hein, et vous savez que c'est en fait représentation du dieu Bane. Donc Bane, hein, qui est un dieu très très mauvais en fait, et qui veut pas du bien à tout le monde, mais qui est mort. Ça me dit quelque chose, mais nous aurons tout le temps d'en discuter sur le chemin qui nous mène à Wyrmuth, bien évidemment. Dites-moi, monsieur, est-ce que vous savez d'où viennent ces créatures, où est leur camp par hasard? Ah non, pas du tout. Je suis dans le coin. Non, je ne connais pas. Si on piste le gobelin qui s'enfuit. Je ne suis guère apte à traquer des animaux dans la forêt. À moins que Cidix, peut-être. De quoi? Oui, je suis capté, tout à fait apte à traquer les animaux dans la forêt, oui, y a pas de souci. C'est un petit peu mon métier, quand même, non? Faut pas se vexer, ça va! Je ne présomte de rien. Non, y a pas de souci. Je prends ça avec humour, vous inquiétez pas. Donc, suivre sa piste, donc tu peux me faire un jet de pistage si tu as ou autre. Du coup, vu qu'on retourne vers là où il y a le gobelin, moi je regarde s'il n'y a pas, s'ils n'ont pas des quelques pièces ou des objets de valeur. Non, ils ont vraiment pas grand chose sur eux à part leurs armes qui sont pas d'une très bonne manufacture, hein, clairement. Ok. Ça se revend. Même se trimballer avec des armes. Non, mais surtout quand on est sorti de la cabane du péon, moi je l'ai profité pour parler de Bane. Expliquer qui il était et surtout qu'a priori j'ai entendu dire que certains de la guilde avaient eu quelques dératés avec l'un de ses représentants. Soyons prudents. Est-ce que ce qui s'est passé à Deadlock est un peu connu et que c'était Marnan était un prêtre de Bane. Il y a des rumeurs dans la guilde par rapport à ça, c'est voilà, en plus vous en discutez des fois entre recrues, hein, que ben voilà, t'as une partie des membres fondateurs, d'ailleurs ceux qui ont quitté la guilde une nuit, hein, la laissant un peu en plan à Vanaya et Anjak. Ouais, d'ailleurs j'espère que je vais ramener mon matou, hein. Et Aratas aussi, qui pourtant vivait assez peu, le père Aratas qui vivait assez peu dans la guilde, hein, qui justement
s'occupe de la guilde en ce moment et personne ne sait où ils sont partis. Et oui, a priori, ils ont été démêlés avec un prêtre de Bane et ce serait justement suite à ça que il y aurait maintenant un cratère à la place de la ville de Deadlock. Je peux lancer mon test de pistage ? Je t'en prie, vas-y. Tu arrives à remonter sa piste assez facilement et tu vois qu'au bout d'un moment, elle s'enfonce dans la forêt. J'avertis les gens. Est-ce que c'est dans la direction du village ? Non. Où ? Ça s'éloigne en fait plus ou moins du village. Ça s'enfonce vraiment plus profondément dans la forêt. Vous voulez faire quoi ? On part en reconnaissance pour pas perdre la piste ou on va direct au village se présenter au bourgmestre ? T'en profiter que la piste est fraîche ? Pense je plus avec Cédix. Oui, peut-être qu'il n'y a pas d'urgence à aller à Weymouth. Si a priori les compagnons de ce petit gobelin que nous traquons ne se contentent que de vandaliser, il n'y a pas mort d'homme a priori jusque-là. Ils pourraient revenir pour se venger aussi. Encore faut-il que quelqu'un les ait prévenus, et dans ce cas-là, il faut rattraper ce petit gobelin au plus vite. Voilà. Eh bah, allons-y. Allez. Compagnie en avant. Tidix, on te suit. C'est parti. Allez. Alors, non, compagnie. Ok, ça marche, hein, donc vous suivez la piste, hein, vous passez vers les arbres et tout ça, par moments, Tidix s'arrête un petit peu, regarde. Fouille un peu et retrouve la piste hein, au bout d'une heure à peu près, peut-être un peu plus, Sidix, tu te stops hein, et tu vois en fait a priori une petite grotte devant toi. Petite la grotte. Piste mènerait là, ouais. Je peux faire un test de perception pour voir s'il y a des trucs qui paraissent louches, voir genre des pièges, des trucs comme ça tout autour. Oui, tu peux. Tu observes, tu regardes, hein, a priori tu ne vois rien. D'accord. Je fais signe aux compagnons pour dire que j'ai trouvé la grotte. Et que la piste amènerait là-bas. Donc tu reviens un peu en arrière, hein, tu leur as demandé d'attendre, tu reviens légèrement en arrière, hein, donc voilà. Est-ce qu'on a des torches dans notre équipement ? Oui, vous en avez si besoin, hein. Je considère que vous avez le package aventurier de base. Couverture, gamelle, torche. Voilà, c'est ça. Torches. Bien sûr, pas des torches, parce que vous avez des cordes. Mais bien sûr, pas des cordes. On a pris vos armes et vos potions. Il est chiant, ce nécromant. Il faut que quelqu'un pense à tout ça, quand même. Hein. C'est le gnome qui lui met un taquet. Aïe. Il saute. Bon. Eh bien, si le gobelin s'est caché ici, suivons-le. Faut se méfier, il doit y avoir des copains dedans aussi. Au pire, si nous sommes coincés face à un mur de gobelins, je me fais fort de m'en occuper. Ah, tu sais que je tripote quelques potions à ma ceinture. Tu peux toujours y aller discrètement, toi, si tu veux. Hein. Ouais, mais sans torche, ça va être compliqué d'être discrète. Enfin, je vais pas voir grand-chose, quoi. Oui, après, il fait jour, torches, donc il y a un peu de lumière, quand même, au départ. Ok, je vais tenter d'aller discrètement voir si j'entends quelque chose ou voir savoir combien ils sont, tout ça. Ok, vas-y, fais-moi un petit jet de discrétion. De fufu. Eh, hey, mais arrête le chat. C'est moi. Y'a rien d'autre ? Point de chance. Ok, vas-y. Putain, comment ? Ok, tu avances discrètement, hein, tu longes en fait la petite clairière, tu passes derrière un buisson, tu longes la paroi t'amenant jusque la grotte, tu passes la tête, tu tends l'oreille et t'entends en effet comme si quelqu'un était en train de fouiller quelque chose ou quelque chose comme ça, tu vois,
à l'intérieur. Ok, je continue de m'approcher discrètement pour voir s'il est tout seul. Tu continues à t'approcher, hein. C'est vrai que tu attends que tes yeux se commencent à s'habituer à l'obscurité. Tu regardes à droite, à gauche, hein. Tu avances un peu. Et là, bah, tu vois le gobelin qui est seul, qui a l'air d'être en train de fouiller dans des affaires, et tu vois qu'il est en train de mettre des choses dans un sac. Seul. Oui, il est seul. Il me tourne le dos. Oui. Alors je vais être très sournoise. Ok. La femme belle, la femme belle. Tu vas me refaire juste un jet de discrétion. Ah, d'accord. Ouais. Okay. Tu avances discrètement en fait, hein, et tu le chopes, tu lui tranches la gorge, hein, du sang verdâtre qui coule, hein, et il s'écroule au sol. Moi je regarde ce qu'il est en train de ramasser. Tu regardes, hein, ça a l'air, tu vois, d'être un peu de nourriture, rien de bien intéressant en fait. Ok. Bon, bah je prends le... Il est pas lourd, je peux prendre le cadavre pour le ramener à mes potes. Oui. Bon, je ramasse. Comme, ça dans la grotte. Comme les chiens qui ramènent leur proie. Tenez. Je sors de la grotte et je fais hey, j'ai trouvé ça à l'intérieur. Et je le laisse tomber par terre. Il ira pas prévenir et ses copains. Vous voyez bah, un gobelin inerte qui tombe au sol. Et il était dans cet état-là quand vous êtes arrivé? Peut-être que je lui suis tombé dessus. C'est pas moi qui vais me prendre la perte d'un gobelin. Vous êtes si lourde que ça. Ah, pas tant que toi, ouais, mais... On dirait qu'il a été égorgé. Je me demande bien par qui. Et je regarde Mia. Et je vois le sang couler de la dague de son étui. Vous voulez fouiller la grotte avec la lumière ou pas? Bah écoute, rien de jeter un œil. Qu'est-ce qu'on est là? Allons-y. Allons-y, quand on a quelque chose d'intéressant. Vous allumez une torche, hein, et vous rentrez dans la grotte. La grotte est assez petite, hein, ça sent fortement le fauve à l'intérieur, hein, même les excréments, c'est les endroits. Et vous voyez, il y a... Il y a un peu de nourriture, hein, qui est à moitié moisie, des vieux morceaux de pain moisis à l'intérieur, c'est sans le renfermer, vous fouillez un peu, vous trouvez vraiment rien d'intéressant dedans. Bon bah, une heure de perdu. Bon bah, c'est pas grave. Bah non, ouais, le gobelin est mort, il ira pas prévenir les autres. Je crois qu'il était tout seul en fait. Je me pince le nez. Ah, j'ai connu un nain qui avait un bureau qui sentait un peu pareil. Moi, je trouve que ça sent plutôt les tables. Et si on allait à Weymouth, là? Je parle les gobelins. Vous visitez des drôles d'étables, mon cher Wameux. Vous avez jamais été dans une étable où les vaches, elles restent là tout l'hiver? Je sors de la grotte. À la fin, ça sent un peu comme ça. Je m'en vais aussi. Qui sort de la grotte et qui discute étable. Voilà, c'est ça. Homer est en train de discuter. Et donc, vous vous dirigez vers Weymouth, j'imagine. Hein. Oui. Oui. Ok. Vous reprenez la route, hein, vous repartez en arrière. Et bah, au bout de une heure et demie, vous arrivez... à la ville de Weymouth. Belle bourgade. Je m'étais représenté un village la dernière fois. C'est un peu plus grand, c'est un grand village en fait, hein, mais c'est oui. C'est un bourg, quoi. Qui... Voilà, c'est ça. Bourg, quoi. Après, c'est vrai que la ville s'est développée, surtout depuis la destruction d'Edlook. Du coup, bah, les caravanes qui passaient par Deadlook maintenant passent par Weymouth pour rejoindre le nord du Cormyr. Ok, il y a des passants? Ah.
Alors, vous voyez un peu de monde, hein, oui, hein, il y a certaines activités dans la ville. Ok, bah j'en accoste un en lui demandant « Hey, où est-ce qu'on peut trouver le bourgmestre ?» Hein ? Hein, quoi ? Hein ? Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, monsieur ! Ça va bien ? Oui, vous ! Ah, il fait beau aujourd'hui, c'est agréable, hein ! C'est dingue, hein ! Et puis en plus, là, c'est vrai que... Bah, ouais... J'ai pu, excusez-moi, je vais pas vous interrompre, mais les collègues à l'auberge, et on avait prévu une petite partie de dés, donc ouais, ça va plutôt bien, je suis assez content. Ah, c'est cool. Le bourgmestre, vous savez où on trouve aussi, s'il vous plaît ? Ouais, je trouve aussi, je trouve possible. Si vous voulez, vous pouvez venir jouer avec nous. Stop. Nous cherchons le bourgmestre, s'il vous plaît. Ah, bah, le bourgmestre, bah, il doit être sa maison. Sauriez-vous nous indiquer la direction pour sa maison ? Ah oui, bien sûr. Bah, vous continuez à monter la rue, vous prenez à gauche, et puis ce sera maison, en fait. Hein, et puis vous verrez, justement, il y a une pancarte avec écrit Weymouth dessus. Vous pouvez pas la louper. Je vous remercie. Ah, eh ben, écoutez, avec plaisir. N'hésitez pas à passer... Vous vous éloignez, alors que bah, il n'avait pas fini sa phrase. Ouais. Oui, on se barre dès qu'on a l'info. Vous remontez la rue et arrivez devant le bâtiment qu'il vous a indiqué. Putain, il était pire que toi, Herbert. Pardon ? Quis-je ? Mia qui me reproche. On aura tout vu aujourd'hui. Bon. Sur ce, je m'avance et je tape à la porte. Vous entendez des pas, c'est lourd, hein, et personne qui vient vous ouvrir. Vous voyez ? Bonjour, monsieur. Permettez-moi de vous présenter, je suis Herbert Schadenfreund. Je suis mandaté par la guilde des aventuriers de Arabelle, à laquelle vous avez fait appel. Vous. Rentrez. Je signe aux gens derrière moi de rentrer. Vous. Je suis. L'entrée, hein. Mes pieds sur le paillasson. C'est dans. Une habitation assez modeste, hein. On remonte un couloir, on prend une porte à droite, hein. Vous entrez dans un bureau. Aucune décoration, vous voyez que c'est vraiment très, très modeste, très, très sobre, très simple. Hein. Et il va s'asseoir derrière son bureau. Installez-vous, je suis content de vous voir. Dites-nous tout. Il y a assez de fauteuils pour tout le monde. Oui, il y a assez de chaises, vous devez en rapprocher, mais il y a assez de chaises pour tout le monde. Sauf pour ton problème. Il me semble qu'on devait le prévenir qu'on avait terrassé un groupe de gobelins. Nous allons y venir, mon cher. Comment ça, un groupe de gobelins ? Il y avait des bestioles. Et je lui tends le dessin que j'ai récupéré, enfin le logo que j'ai récupéré. Ils avaient ça sur eux. Oh. Petit groupe de gobelins, goblinoïdes. Ils vont jamais nous laisser tranquilles. Ils sont tous morts. Ils sont morts. Du moins, c'est possible, là. Oui, mais bon, vous savez ce que ça veut dire, ça. L'église de Bane. Oh, ça fait quelque temps qu'elle s'était un peu calmée, mais a priori, il y a une recrudescence d'activité en leur sein, ces derniers temps. Et ça m'inquiète au plus haut point. Raison. J'ai cru comprendre que Bane était à l'origine du magnifique cratère qui orne là où se trouvait la ville de Deglook. Ah, n'en parlez pas. C'est apparemment une sale histoire pour ça, mais... Heureusement, j'y étais pas. Hein. Et bon, il semblerait qu'après, des aventuriers, un peu comme vous, soient arrivés et qui auraient réussi à empêcher certaines choses assez obscures. Mais bon, j'ai assez de soucis ici, quand même. Concentrons-nous là-dessus. Vous le voulez bien ? Oui. Expliquez-nous. Je vous ai demandé de venir. Faudra enquêter. Enquêter dans Weymouth. Y a un petit groupe d'assassins là qui est en train de sévir. Ils ont déjà fait quelques torts ici. Je pense savoir où ils sont, mais pour l'instant, je n'ai pas de preuves. Et je ne peux pas agir. Je vous ai réservé une chambre. À l'auberge de la Bonne Marmite. C'est tenu par ma femme, donc je vous demanderai de
bien vous y tenir. Je peux vous faire confiance. Sans problème. Je m'assurerai personnellement du comportement de mes camarades. La boisson et la nourriture, est compris dans le lot. Oui, le gîte et le couvert vous est offert par la ville. Merci. C'est fort aimable. Et je pense que le groupe dont je vous devais enquêter doit se trouver à la Cette Plaine, notre auberge. Or, elle n'a de plaine que le nom, hein. Je vous déconseille d'y manger. C'est assez mal famé. Mais il me faut des preuves, que ce soit bien eux, et pour pouvoir agir. Quel genre de preuves vous voulez ? Le genre qui me permette de les mettre au fer. Ou, si jamais à un moment, il y a des preuves flagrantes et que vous deviez agir, c'est aussi pour ça que j'ai fait appel à des aventuriers et non au dragon pourpre. Vous êtes... Vous pouvez être au-dessus un peu des lois à certains moments. Et c'est ce que j'attends de vous aussi. Là, je jette un regard à mes compagnons en me disant, mais... Mais pas-tu des lois ? C'est quoi ? Je jette un regard d'un air de dire, calme-toi, c'est pas non plus la foire à saucisse. Pouvez-vous nous en dire plus sur les exactions de ces assassins ? Le nombre de victimes ? Et à chaque fois, on a retrouvé sur ces victimes le même logo que vous nous avez ramené. Vous avez encore les corps ? Le dernier date de 3 jours, donc les 2 autres ont été inhumés. Le 3e va être bientôt rendu à la famille parce que vous imaginez bien que je peux pas garder un corps pendant si longtemps. Il a été tué pendant... Ils ont été tués pendant leur sommeil. De quelle manière ? Une dague. On pourra l'examiner le corps, ça. C'est pas un souci. Ouais. Si vous le souhaitez, vous pourrez. Les 3 sont morts de la même manière ? À peu près, oui. À chaque fois, coup de dague. Le premier, il avait 3 coups de dague. Dans le dos. Le second, la même chose. Le troisième, on n'avait qu'un seul. Ouais, les 2 premiers, c'était un test, on va dire. Le troisième, il a réussi. A priori. Le 3 coups de dague, c'est que la personne ne devait pas être endormie. Est-ce qu'il y avait quelque chose aussi. Oui. Est-ce qu'il y avait quelque chose en commun entre les victimes ? C'était des notables. De la ville, propriétaire terrien, ce genre de choses. Alors, Discord, et à qui profite leur mort ? Moi, j'ai pas rien entendu. Alors, c'était des notables, des propriétaires terriens, des gens assez riches. Qui profitent leur mort, je ne sais pas. Vous savez, on est une petite bourgade assez paisible depuis la peste sanglante. Trop de problèmes par ici. Mais ces personnes étaient des notables, donc ils devaient être assez aisés, non ? Assez, oui. Enfin, vous savez, personne n'est très riche par ici. Donc ils faisaient partie de... Ils étaient un peu au-dessus de la moyenne. Et qui hérite de leur terre, justement ? Et où sont leurs terres ? Pour l'instant, personne n'hérite de leur terre, ils n'avaient pas de descendants. Aucun d'entre eux n'avait de descendants de famille ? Aucun d'entre eux. Et donc pour l'instant... Voilà, si personne ne réclame leur terre, ils vont être récupérés par la couronne. Faites-nous savoir si jamais quelqu'un réclame ces terres. Tant que nous sommes en ville, bien évidemment. Oui, je vous... J'hésiterai et pas. Ces terres, elles sont-elles accolées ensemble ? Non, pas forcément. Elle vous indique, hein, a priori, y a... des terres qui se situent plutôt à l'est de la ville. Ok. D'autres qui se situent au nord. Et la 3e qui se situe à l'ouest. Et en fait, mentalement, vous dites, hein, et c'est vrai que la 3e, a priori, il y avait ce
partie en fin de compte où il y aurait peut-être la grotte où vous êtes remonté, vous avez remonté la piste. Et je monte les parcelles de terre qui sont entre. Et ça, ça appartient à qui ? Ça appartient à quelqu'un d'autre dans la ville. Ben, je regarde, je ne connais pas par cœur. Faudrait savoir leur nom, c'est peut-être les prochaines victimes. À l'est, je regarderai. À l'ouest. La logique, à l'ouest, au sud. Sera au sud. Ça fait beaucoup trop de coïncidences. Au sud. Ouais. Enfin, je sais pas. Au sud. Possible. Je vais en tout cas prévenir qui de droit. On vous laisse enquêter sur ça. Nous, on va aller voir ce qui se passe avec le cadavre et puis se renseigner vis-à-vis des assassins. Excusez-moi, j'ai encore quelques questions. Les meurtres, ils ont commencé il y a combien de temps ? Il y a 2 semaines à peu près. Et est-ce qu'il y aurait un groupe d'individus un peu bizarres qui serait venu dans votre bourg il y a à peu près 2 semaines, voire un mois ? Depuis la destruction de Deadlook, beaucoup de gens qui passent par ici maintenant. Donc c'est difficile, hein. Beaucoup de voyages, de marchands. Donc je ne peux pas vérifier les allées et venues de tout le monde. Donc je ne saurais répondre à votre question. D'accord, merci. En tout cas, là, je propose que nous fassions 2 petits groupes. L'un ira sculpter rapidement le corps du dernier défunt, tandis que les autres, peut-être plus à l'aise avec l'ambiance à l'auberge de l'Assiette Pleine, peuvent éventuellement y jeter un œil. Team Assiette Pleine. Si mon cher Sidik, si ça ne vous dérange pas, je vais vous accompagner. J'ai quelques notions en anatomie. Ok, allons-y. Je suis pas contre aller voir goûter la gastronomie non réputée de l'Assiette Pleine. Eh bien, ouais, mais on va s'amuser. Allons-y. Donc, qui va à l'Assiette Pleine ? Mia et Wameu, a priori. Et donc, les 3 autres, vous allez voir le corps. Sur le chemin, on va faire un atelier SVT. J'allais dire, il t'a encore des blessures, surtout ou pas ? J'avais pris un coup tout à l'heure. Ouais. Il me restait 3 points de vie, mais après je sais pas si... Est-ce que tu as siphon des âmes ? Est-ce que si t'as siphon des âmes, tu t'es soigné Ah non, j'ai pas siphon des âmes. D'accord. Propose-moi une petite potion de mon cru. Te remettre d'aplomb. Je vais boire une petite potion, alors. Récupère donc 5 PV. Tu auras... Le cas échéant, dans les 12 prochaines heures, un bonus à tes jets de quelque chose. Bonus de plus 3 à tous ces tests. 3 prochains jets. 3 prochains tests, ouais. D'accord, ok, ça marche. Ok, donc Herbert, Liam, Sidix, sur les indications de Philphar, hein, vous prenez la route, hein, vous allez vers le cimetière. Mm-hmm. Où il y a une petite chapelle, hein, vous arrivez devant cette petite chapelle. On toque et on rentre. Vous entrez, vous voyez un jeune prêtre qui vient vers vous. Bonjour mes enfants. Bonjour. Bonjour. Quoi je puisse vous aider ? Nous sommes mandatés par le bourgmestre de la ville pour enquêter sur les morts étranges de ces derniers jours, et nous aurions voulu savoir si cela était possible de pouvoir ausculter rapidement et sans bien évidemment manquer à la décence le corps de la dernière victime. Vous êtes envoyé par Philphar ? Exact. Suivez-moi. Remontez, hein, la petite chapelle, passez une porte, une deuxième, et là vous arrivez dans une pièce qui est un peu plus fraîche que les autres, hein, pas de fenêtre, et corps étendu sous un drap, et il lève le drap, hein, et donc vous voyez le corps
Voici. Je vais faire un test de perception. Voir s'il n'y a pas quelque chose qui aurait pu échapper aux gens. Ok. Je vais faire de même, hein, en accord avec Sidix et Géladir. Je pense qu'on va tous essayer de... Moi, c'est Liam. Avec mon sens. De Liam, pardon. Et ben. Ok, bah, tous les trois, vous commencez à inspecter. Hein, vous remontez au fur et à mesure. Alors, vous trouvez... moi, en fait, vous penchez le corps hein, et vous voyez bah, justement la blessure qui a entraîné la mort. Hein, donc, effectivement... vous voyez que c'est une dague hein, qui a été enfoncée jusque la garde. Au vu de votre analyse, hein, vous regardez et voyez que sous les ongles, a priori, il y a quelques petites impuretés. On s'est à regarder un petit peu, vous grattez et a priori, oui, ce serait défendu. Vous voyez un peu de peau peut-être ou autre sous les ongles, donc. Apparemment, ils se... Où exactement ? Dans le dos, en fait, entre les omoplates. Entre les omoplates. Voilà. C'est jusqu'à la colonne. Vers le haut, vers le bas. Alors non, c'était vraiment planté d'un coup. C'était ouais, donc vraiment horizontal. Voilà. C'est le poison, quoi que ce soit, c'était juste le coup a été alors, fatal. Du fait que t'en parles, hein, vous êtes en train de regarder et vous voyez que bah, ces extrémités, en fait, hein, vous voyez qu'elles sont légèrement bleuté et il a peut-être été en effet empoisonné. Est-ce qu'en tant qu'alchimiste reconnu hein, de mes pairs, je peux essayer de déterminer une liste ou des poisons spécifiques qui auraient pu entraîner ce genre de... Tu vas me faire un G, mais ça va être difficile. Ça marche. Tu peux me faire un G. Ah, malheureusement, voilà, c'est... Trop, il y en a trop. Pour dire de pouvoir vraiment établir une liste plus précise. Pendant ce temps, Mia ou Ame, vous dirigez donc vers l'auberge de la Sept Plaines et ben, vous y arrivez. Vous entrez dans la salle hein, qui est enfumée, assez encombrée, pas mal d'activités. À l'intérieur. Oh le beau peuple. Ouais. Il y a une table de libre. Ouais. Oui, il y a des tables de libre. Hein. Installe-toi, je ramène les bières. Ah super. Vous allez tous les deux me faire un jet de perception. Ok, bah Wame, la chaise est confortable. Tu es content de pouvoir te poser un petit peu. Hein. La route a été longue, tu es un petit peu fourbu, hein. Un peu déstabilisé aussi ton cou un petit peu faiblard. Hein. C'est vrai que ça t'inquiète depuis tout à l'heure. Hein, et du coup, tu joues un peu avec tes bras pour voir. Hein, bon, ça te rassure quand même, tu sens que t'es un peu costaud. Voilà. Mia, toi... ce serait un passage hein, jusqu'au bar hein, et à un moment tu tournes la tête et tu vois sur un vêtement caché à moitié sous une cape le sigle que vous avez remarqué sur les créatures. Et ils sont combien à cette table? Ils sont trois. Est-ce que je peux entendre ce qu'ils disent? Ils sont en train de discuter. Il faudrait que tu te rapproches. Ok, bah je me décale sur le bar pour de façon à me rapprocher d'eux. Ok, vas-y. Tu veux me faire un petit jet par rapport à ta discrétion. Ok. Tu te décales un peu, hein. Tu sembles pas avoir... été repéré, selon toi en tout cas. Hein. C'est mon... C'est ça, il y a un peu d'activité, il y a un peu de monde. Je suis à l'aise. Et donc tu tends l'oreille, hein. En t'en a un qui dit tout très prêt pour demain.
Oui, patron, tout est prêt. Bien. Alors on se sépare et on se retrouve demain. Où vous savez. C'est trop dangereux ici. Et bonne nuit. Très drôle, patron. Et ensuite, il se lève. Toi, ton côté ouameux, hein, tu vois que Miel s'est décalé et elle est longue à commander les bières. T'as soif, hein, toi. Ouais, je commence peut-être à regarder un peu où elle est. Alors, tu regardes, hein, tu la vois, elle est accoudée au bar, un peu plus loin. Bah, j'observe voir si elle bouge, ce qu'elle fait, parce que c'est vrai que j'attends. Tu vois qu'elle bouge pas, justement, alors ça t'agace peut-être un petit peu. Hein. Ouais, bah je me lève et je vais la voir. Ouais, bah tu avances en fin de compte, hein. Tu croises justement une personne hein, qui s'écarte, parce que bon, t'es quand même costaud, hein, donc qui te laisse passer et tu t'arrives à côté d'elle. Ouais, alors les bières, elles sont... tu vois que Wameu est arrivé. Et je commande deux bières, aubergiste, s'il vous plaît. Bah, deux bières, ça marche. Genre, bah, ça, salut. D'accord. Et je me mets en position pour surveiller les deux qui sont restés à la table. Ah non, ils se sont levés tous les trois. Hein. Ah, tous les trois. Ah mince. Ouais, tous les trois. Ils sont en train de partir, tous les trois. Vas-y, on sort. Tant pis pour les bières. Ah bon. Pourquoi? Moi, je voulais une bière. Vas-y, reste là. Et bois les bières et je te reprends après. Non, mais c'est bon. Je reste avec toi. Ouais, qu'est-ce qui va me les payer, les bières, là? Oh. Je lui lance des pièces. tu lui jettes, en fin de compte, hein, quelques pièces, en fait. Et vous voyez, justement, troisième... le dernier qui est en train de sortir. Je me cache derrière Wameu. Que ça attire son attention en fin de compte, hein, en entendant ça. Et il sort de l'auberge. Ok. Je sors, mais en essayant d'être discrète, mais en essayant de les repérer depuis la porte. Alors moi, je prends juste une gorgée de la bière et je pars après... Mia, mais je comprends pas pourquoi elle essaie d'être discrète, donc je suis pas forcément très discret. Ouais, ok. Donc, Mia, toi, tu sors, hein, tu regardes à droite à gauche. Ok, tu t'en as repéré un, en fait. Hein, donc, t'essaies d'avancer, puis Wameu qui arrive juste derrière. C'est un peu ça. J'ai trouvé nos hommes. Reste là, attends-moi, je reviens. Ne bouge pas. Et je suis le dernier que j'ai envie. Ok, bah tu vas me faire un jet. Ok, bah tu le suis, hein, tu vois qu'il se retourne de manière régulière, hein, et à un moment, en fait, quand il se retourne, tac, t'as le temps de te mettre derrière un tonneau. Pour l'instant, t'arrives à suivre sa piste, hein. Et au bout de quelques temps, tu vois qu'il arrive devant un bâtiment avec l'enseigne caractéristique justement d'une auberge et il rentre dans la salle. Il rentre à l'intérieur. Ok. J'attends. Enfin, il y a une fenêtre ou pas ? Il y a des fenêtres, oui. Ok, bah je vais essayer de jeter un œil discrètement. C'est quoi le nom de l'auberge ? La pose du roublard. Wameu, pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Bah du coup, l'idée, c'est, sauf si elle a disparu de ma vision, mais j'ai suivi de Mia, mais d'un peu plus loin, parce que j'ai compris qu'elle essayait d'être discrète, donc j'ai essayé de suivre, mais à distance, pour pas la gêner. Tu vas me faire un jet de sagesse pour voir si au bout d'un moment tu vas peut-être pas perdu dans les rues un peu encombrées. Tu la suis, au départ tu y arrives, hein, et puis au bout d'un moment, tu l'as perdu de vue, tu regardes à droite à gauche, tu crois la voir, t'avances, mais en fait au bout d'un moment tu te rends compte que bah, non, c'était pas elle, et bah, tu te retrouves seul en ville. Mais... Elle est vachement discrète, Mia.
Bah, du coup, je retourne à l'auberge de la Sept Plaines. Ok, ça marche. Donc, tu repars en arrière et tu retournes à cette auberge. Donc, tu rentres. Tu vois un peu de clientèle. Je vais aller chercher, recommander une nouvelle bière, du coup. Tu vois que sur une table, apparemment, il y a bras de fer qui sont en train de se faire. Ah bah, je me mets à la table et je demande si on peut participer. Ah ouais, vous pouvez, si vous voulez. Qui te regarde, ouais. C'est une pièce d'argent l'inscription. Et si on gagne, qu'est-ce qu'on gagne? Combien on gagne? Une pièce d'or. Ah. Et il faut gagner combien de fois pour être gagnant? Deux fois. Et c'est les adversaires sont ici? Ils te les montrent, hein, tu vois que. Les gars qui ont l'air assez costauds, surtout le deuxième. Le deuxième a l'air. Tu vois qu'il a de sacrés bras. Hein. Bon, allons-y. Et je prends une pièce d'argent et je lui donne. Ok, ça marche. Tu vas me faire un jet de force. Oui. Ouf, je vais utiliser un poids de chance. Ok. tu vois le jet que j'ai fait, moi. Oh, purée. allez, encore un point de chance. je me sens pas bien déjà tout à l'heure. Oh, bah. Ouais, mais c'est pas ce que t'as, hein, mais bon. Ouais, tu résistes, hein, mais hop, il arrive à. Le mec, il joue à gagner. Bon, bah, au revoir, hein. Ah bon, bravo. C'est bien joué. Hey, d'où est-ce que tu viens, étranger? Oh, moi, je viens des montagnes à l'est. Et on est venu ici avec quelques connaissances. On vient d'Arabelle. Ah, et pourquoi vous venez par ici? Oh, on apparemment, il y a eu des meurtres ici, et donc cherche des informations sur ces meurtres. D'accord. La discrétion. Ah, okay. Pourquoi? C'est sûr que tu veux pas rejoindre les subtils, ouais, mais subtilité, alors sur 20, quoi. Herbert, Liam, Sidix. Ouais. Vous de l'autre côté. Ben, moi, je pense repartir rejoindre les autres qui sont à l'autre auberge. D'instinct, je pense qu'on était tous restés sur l'idée qu'on se retrouverait plutôt à l'auberge. À la bonne marmite. Bonne marmite. Bah, ouais. Parce qu'on recherche. Mais si Dix propose. Donc. Bah, on peut aller à l'auberge à la bonne marmite, et s'ils y sont pas, on peut aller voir à l'autre auberge. Très bien. Ok, ça marche. Hein, donc, au moins déposer notre pactage, récupérer nos chambres. Faites la route hein, et vous arrivez. Ben, l'auberge de la bonne marmite. Hein, oui. Bonne petite auberge, très bien tenue. Et. C'est cosy. Tenue par une dame, justement. Bonjour, okay. Monsieur. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Madame. Excusez-moi. Je me présente, Herbert Schallensfrun, érudit de mon état, ainsi que Messire Liam et Sidix qui m'accompagnent actuellement en leur qualité d'aventurier. Nous avons été mandatés par votre mari pour enquêter sur des événements un petit peu inquiétants qui se produisent en ville. Ah oui, c'est vous, oui. Olga, je t'entends plus. Désolé, Discord PLS, hein. Non, plus personne. Connexion en cours. Authentification en cours. Vocal connecté. Voilà.
Bonjour. Voilà. J'avais plus de son. Discord qui vient de se faire. Ouais, tout le monde. Hein, je pense que tout le monde. Donc, oui, mon mari a réservé une chambre pour vous. Est-ce que vous voulez une petite collation, quelque chose à boire? C'est très aimable, mais nous sommes actuellement en train de chercher deux autres de nos compagnons. Nous allons simplement mettre nos affaires, nous établir rapidement, puis aller les chercher pour être regroupés. Écoutez, je vous monte vos chambres. Vous montez à l'étage et elle vous ouvre la chambre. Vous voyez, c'est une assez grande chambre, très bien entretenue, très jolie, joliment décorée, avec six lits. Allez-y, vous pouvez déposer vos affaires. Je laisse la clé sur la porte. Prenez le temps que vous avez besoin. Elle ferme la porte et redescend. Je pose mon barda. Ouais, sur un lit. Pareil, c'est mon lit. Il est nécessaire de fabrication de potions. Garde-marteau, bâton, ma bourse, bien évidemment. Les potions, qui sont déjà là. Mmh. Ok, ça marche. Partant, je récupère du rock qu'attendait devant la porte. Ok, donc vous repartez, donc vous allez maintenant... Direction de l'auberge de l'Assiette Pleine. Ah, ok, ça marche. Donc vous repartez. Mia, toi tu... On a mis la clé aussi à l'aubergiste. Hein. D'accord, ok, ça marche. Mia, donc toi tu... Tu attends, t'es encore en train de faire le guet devant l'auberge. Et du coup, je l'auberge, le vois par la fenêtre. Fais-moi un jet de discrétion, déjà, parce que pas mal de monde dans la rue, pour voir si c'est pas un peu louche. Et tu avances, hein, et puis c'est vrai que il y a un peu de monde, tu sais que tu risques, alors pas forcément par lui, mais tu vas te faire repérer par des gens. Tu sens clairement que c'est pas discret ce que t'es en train de faire et que tu risques de te faire même si c'est pas de suite repéré par ceux qui sont à l'intérieur, ça risque d'arriver, donc tu te ravises en fait. Elle a l'air mal famée à quel point cette auberge? Encore plus que re-PLS Discord. Oui, voilà. Allô. Bon, c'est le aujourd'hui. Il y a de l'orage. Donc encore plus que l'autre, j'imagine. Voilà, encore plus que l'autre. Hein. Tu vois, c'est vraiment la lie de Weymouth qui vient là, a priori. Ok, on va. Je m'attarde pas trop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rejoindre Wame en vitesse à l'assiette pleine, et pour qu'on aille rejoindre les autres à l'autre auberge. Et que okay. Qu'on fasse des tours de garde discrets pour pouvoir suivre ce que j'ai vu dans cette auberge. Ok. Donc tu reviens à l'auberge de l'Assiette Pleine, hein, et tu arrives et puis tu vois Wame qui a une table en train de discuter avec des gens. Il a une bière en main, tu vois, en train de rigoler. J'ai fait signe. Hein. A priori, il s'est fait des potes. T'as continué de discuter avec les gens avec qui t'as fait le bras de fer et tout ça. Donc voilà, tu es en train de discuter de tout et de rien. Hey, montagnard ! Hein ? Ah oui, amène-toi. Ah, ouais, je dois vous laisser. Ah bah, écoute, c'est un plaisir. Hein. À la prochaine, on se croisera peut-être. Écoute, avec plaisir. Hein, et tu prendras ta revanche. Oh bah si, je me sentirais plus en forme qu'aujourd'hui, là, c'est pas la fête, hein. Ah bah, il y a des jours comme ça, hein. Ah, peut-être l'alimentation, fais attention, c'est important de bien manger. Des protéines. Ils savent ça, les paysans, les protéines? La viande, hein. La viande. Donc je me lève et je rejoins Mia. Ok, donc tu rejoins Mia. Bah, où t'étais passé? Je t'ai perdu. Oui, mais j'ai vu nos hommes. J'ai vu nos hommes. Donc du coup, j'ai suivi. J'en ai suivi un. Il allait dans une autre auberge, mais elle est super mal famée. J'ai pas voulu entrer ni me faire opérer. Donc on va prévenir les autres et puis on va essayer de faire tour de garde. Il prévoit un coup de main.
Ils ont rendez-vous demain soir où ils savent, donc faut vraiment qu'on surveille en fait. D'accord. Donc même au pire, toi tu vas à l'auberge et vous me rejoignez à l'auberge de la pose du Roublard. Mais on rentre pas dedans, je serai aux alentours. D'accord, moi je vais aller chercher les autres. Ok. Et moi je retourne au niveau de la pose du Roublard. Au moment où vous sortez de l'auberge assez pleine, vous voyez Herbert, Liam, Sidix, accompagné du golem qui sont en train d'arriver. Ah, vers parfait. J'ai trouvé nos hommes. De quoi ? On sort de l'auberge, hein. Je veux pas qu'on nous entende plus que ça. Non, vous êtes à l'extérieur. Vous êtes à l'extérieur. Ok. Ouais, j'en ai suivi un jusqu'à une autre auberge. Je me suis pas attardé parce que j'ai risqué de me faire voir, mais faudrait surveiller, prévoir leur coup demain. Ils ont rendez-vous. Décidément, nous allons faire toutes les auberges de la ville. C'est ça. Oh, pour l'instant, j'en ai fait qu'une seule, moi. Allez, on avance. Le mec, t'es déçu. Et je les guide jusqu'à l'auberge. Laquelle ? La pose du Roublard, mais un petit peu à distance. Okay. Ils ressemblent à quoi, les gars ? Ouais, ils ressemblent à quoi, les gars ? Parce que si on doit les pister, ça serait bien savoir à quoi ils ressemblent. Bah, ils ont l'équipe de Bane, quoi. Enfin, ils ont le symbole de Bane. Ouais, déjà. Après, voilà, ils étaient habillés de manière assez sombre. Hein. T'as pu remarquer des armures de cuir. A priori, t'as vu ils avaient l'air d'avoir des dagues aux côtés, mais c'était voilà, ils affichaient pas non plus leur le logo, mais toi tu l'avais vu à un moment dans le pli d'un vêtement. Parce que moi, quand je demandais à quoi ils ressemblent, s'ils ont des traits particuliers, s'ils sont grands, petits, châtains, bruns, humains, nains, je sais pas. Enfin. Bah, on est raciste dans cet univers, si on précise pas, c'est des humains. Ah, oui, c'est des humains. C'est des humains, ils sont. Voilà, selon la description de Mia, ils font à peu près 1m70, mais. C'est. Pas vraiment quelque chose à part peut-être leur vêtement, et toi, t'as pu remarquer leur logo, c'est autre, t'as rien vu de signe distinctif, t'as pas vu de signe distinctif. Ok. Ce que je vous propose, c'est que vous alliez dans l'auberge. Après, je sais pas, ouais, mais je crois que tu t'es fait repérer quand on était à l'auberge. Je sais pas si c'est une bonne idée que tu y ailles aussi. Moi, je vais aller fouiner autour de l'auberge, voir s'il n'y a pas une autre entrée pour aller fouiner voir les chambres, tout ça, s'il y a une chambre dans le coin. Non. Du coup, tu veux que je reste ici? Ah. Par mon côté, il est pas d'accord. C'est Wame, il est pas d'accord parce qu'on lui dit qu'il faut pas aller dans l'auberge. Je veux boire. Non bah vas-y ou garde l'entrée, tu fais ce que tu veux. Je veux pas t'empêcher de t'amuser. Ah, donc qu'est-ce que vous faites? Ben moi, je suis d'avis pour rentrer dans l'auberge. Vu que moi, okay. Ils m'ont pas vu. Moi non plus. À peu près à quoi il ressemble. Donc. Moi, j'attends un peu. Quelle auberge ? C'est du Roublard, je sais plus quoi. Ça, du Roublard, ouais. La pose du Roublard. La pose du Roublard, voilà. Ok, donc qui rentre ? Ben, c'est Dix. Ok, Herbert, c'est tout ? Et le golem. Okay. Moi, j'attends un peu. Et je rentre après, mais je vais ailleurs comme si je les connaissais pas. Enfin, je vais sur une autre table que là où ils sont et comme si je les connaissais pas. Okay, comme ça, si va. Je suis grillé, je les grille pas eux. Ok, bon. Un barbare intelligent. Putain, Sidix, Herbert, donc vous rentrez dans l'auberge. Hein, vous voyez, c'est bas de plafond, très enfumé. Il y a brouhaha constant en fait. Hein, c'est quand tu rentres, hein, vous voyez qui. Vous regardez, tout le monde se tourne vers vous en fait, quoi, et puis après retourne à leurs occupations. Ouais, le truc habituel quand tu rentres dans un bar d'habitué, quoi. C'est ça. Voilà, tout à fait. Ils font quoi ces gens-là, là ? Oh, bon, c'est pas grave, ils sont là pour picoler.
un rôdeur et un gnome avec un truc bizarre à côté. Ah. Donc, bah moi je m'approche du comptoir et je commande deux bières. Ok, ça marche, bah. Je donne deux bières. Ouais. Et le troisième là, il boit rien. Le troisième n'a pas très soif. Je vais l'avouer. Mais si vous avez une troisième bière, je suis sûr qu'il cédera. Bah je lui donne une troisième bière. Il sert une bière et il te la donne. Donc trois bières, vous voyez que la. A priori l'hygiène, c'est pas leur fort, hein, non, ouais. Dans cette auberge. Et c'est le. Quand vous mettez le bras un moment sur le comptoir, hein, ça colle un peu, voilà. C'est... voilà, c'est... Oui, des traces, la crasse, la fumée, de verre, voilà, sang, c'est ça, la transpiration, c'est. Est-ce qu'il y a des tables de libre encore, pas trop mal placées hein. Oui, tu arrives à trouver une table de libre. Je me pose de prendre sa bière. Et donc, vous installez tous les trois. Wame, toi, tu rentres un petit peu après, hein, dans l'auberge. Pareil, tout le monde se tourne vers toi quand tu rentres. Hein, et après, retourne à leurs activités spirituelles et spiritueuses. Du coup, je vais au comptoir. Je suppose qu'il y a des tabourets au comptoir pour ceux qui restent tout au comptoir. Tout à fait, ouais. Bah, je commande une bière et je reste au comptoir. T'assois, tu commandes une bière, hein, tu poses la main, bah toi pareil, hein, tu sens que ça colle un petit peu, et puis pff, on pose la bière devant toi. Merci. Et du coup, j'essaie un peu de regarder les gens qui sont présents dans la pièce. Ouais. Tous ceux qui observent la pièce, qui font attention, vous allez me faire un jet de sagesse, hein, d'observation. Sagesse, hein, c'est ça. C'est pas l'échec critique. Non, j'ai bien moins un en sagesse. Ok, bah c'est vrai que vous regardez. Écrasseux ce plafond. Est-ce que c'est que des gens habillés en noir, il y en a un petit peu partout, quoi. Donc c'est compliqué. Et rien en tout cas, vous n'arrivez pas à repérer. Mais je peux faire personne... un test de perception en fait avec mon sens affûté, non? Pour ça. Alors sens affûté, c'est pas plutôt dans la nature, je ne sais plus. Mais oui, tu peux, hein, vas-y, fais-le. Moi j'avais marqué pour tout test perception. C'est un bonus de combien Plus 2. Donc il faut rajouter 2 à ton. Donc t'as fait 17, c'est ça. En gros. Ok, donc non, tu mets pareil. Hein, Comme il y a du monde et tout ça, c'est difficile en fin de compte. Herbert, toi, c'est vrai que. Ouais, là. Ça m'intéresse beaucoup l'architecture des charpentes, là. Ouais. Et la bière a un sale goût. Hein. Ouais. L'impression que. Ouais, c'est de la pisse. Hein. C'est fini à la pisse. Ah, et pas. Je m'en servirais même pas pour faire des potions. Coupé à la flotte, c'est. Ouais, c'est pas. Elle est pas très bonne, cette bière. Hein. Ok. Je cherche aussi à retrouver les personnes que Mia nous a décrites. Oui, bah c'est ça. Hein, j'ai. Ah d'accord, c'était pour ça, vous retrouver. Pour voilà. Vous retrouver. Comme dit, des gens habillés en noir, il y en a un peu partout. Donc c'est difficile de trouver une différence entre des gens habillés en noir et des gens habillés en noir. En tout cas, tu remarques pas de logo particulier. Il n'y a pas de table où ils font des jeux d'argent, de cartes, ou que ce soit. Non. Non, en plus. Nul, c'est la berge. Même pas un petit jeu de fléchettes, un truc comme ça, même. Non, bah là, c'est vraiment. Je me dis qu'au final, la meilleure chose à faire, visage c'est. Visage assez morose, tous. Voilà, des discussions, mais. T'entends un petit éclat de rire, mais ça s'arrête là. Hein. D'ailleurs, est-ce que du côté du comptoir ou dans la pièce, je perds des matériaux inflammables? Un truc qui crame bien. Est-ce que la bière, elle est tellement dégueulasse que peut-être que je peux la faire brûler, je sais pas.
Ah, si c'est coupé, elle est trop diluée. Elle est trop diluée pour qu'elle crame la bière, mais après, moi, je bois, j'en bois, hein, donc bon. Voilà, c'est. Je m'attelle, le temps qu'on glandouille à la taverne, à repérer comment est-ce que je pourrais déclencher un incendie rapidement ici. Bah pour toi, ce serait peut-être au niveau de la cheminée le plus rapide. Je te rappelle que t'as fait 1 avec ton jet de sagesse. Ouais. Moi, je jetterai une potion dans le temps, on verra bien. Du coup, on a encore le logo de l'église de Bane. Oui, je l'ai toujours, moi. Je l'ai juste montré au. Ouais. On va montrer à quelqu'un pour voir s'il y a des réactions. Alors là, t'es pas avec eux, Liam. Je suis dehors. T'es resté à l'extérieur avec Nia, mais. Oui. D'ailleurs, à l'extérieur, que se passe-t-il ? Parce qu'à l'intérieur, décidément, on n'a pas l'air d'être très très doué. Hein. Bah, à l'extérieur, Nia, Liam, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'il y a une autre entrée, genre une entrée de service à cette auberge ? Tu fais le tour, hein, et oui, il y a Ben en fait. Porte à l'arrière. Ok. J'essaye de rentrer discrètement en écoutant la porte avant s'il y a du monde derrière. Tu vas me faire un jet de sagesse, de perception. Ça va être les jets de la soirée. Mmh. Ouais, je confirme. T'entends rien de l'autre côté. Pose l'oreille, t'entends rien de l'autre côté. Ok, bah j'ouvre tout doucement la porte. Tu commences à ouvrir, hein, et pris d'une odeur de cuisine, mais c'est pas ce qu'ils cuisinent. Enfin, tu te demandes s'ils sont en train de cuisiner quelque chose de comestible quand tu commences à ouvrir, hein, et tu ouvres petit à petit, et puis là, bah. Tu vois, bah, c'est en effet une cuisine, en fait, et tu vois, 3-4 personnes en train de s'affairer. Et, qu'est-ce que vous faites là dans ma cuisine, vous ? On m'a dit qu'il y avait un paquet à récupérer pour quelqu'un. Bah, ça m'étonnerait pas ici. Sortez-moi de là. Vous allez tout me saloper. Quoi que la cuisine. Saloper. Je lui ris au nez. Dire. Voilà, pourtant tu viens de te taper plusieurs heures de route, t'es plus propre que la cuisine en elle-même. Inspiration de bien. T'as même peur de mettre un pied dans la cuisine, t'as peur de rester collé au sol en fait. Ouais, je me casse avec plaisir. Là où bah, tu refermes la porte. C'est ça. Est-ce qu'il y a des fenêtres, enfin il y a un étage Il y a un étage à l'auberge, oui. Ok, on est à quel moment là? Il fait nuit? Ah non. Il fait encore jour. Hein. On en a ouais, quel moment de la journée? En fin de journée, tout pété, mais. Peut-être. Pas d'après-midi. D'après-midi. Ok. Bon. Bah, je refais le tour par devant, jette un coup d'œil à la fenêtre, voir ce que font les autres et si j'aperçois l'autre Gus là. T'arrives, hein, puis tu commences à frotter un carreau, hein, tu vois que même ça c'est très sale, hein, tu regardes à l'intérieur, hein, et tu vois qu'apparemment ils sont en train de. Tu vois Herbert et Sidix, apparemment ils sont en train de boire une bière. Allez, on papote. Ok, est-ce que je vois mon Gus, hein? Tu regardes, c'est difficile à dire, hein, parce que c'est. Mais tu le repères pas. Merde. La fenêtre est vraiment très sale, hein. Ok. Alors, ben, je vais. Quand je vais me faire repérer. Liam est resté un petit peu à l'écart, lui. Regarde faire. Oui, pour essayer de voir. Vu qu'il se passe pas grand chose. Bon, j'ai pas pu rentrer. Tu penses que tu peux faire une diversion en rentrant pour que je rentre discrètement et que je me faufile quelque part? Moi? Ouais. Herbert, on va revenir sur l'intérieur. Donc Herbert, Sidix, Wameu, est-ce que vous faites quelque chose de particulier?
Ayant fini ma première bière, je vais en chercher une autre. Tout en scrutant un petit peu les l'environnement. Il est courageux. Moi, je n'ai pas particulièrement touché ma bière après la première lampée. Hein, donc je... Il y en a une autre, il y a celle du golem qui est là, au pire, qui n'a pas été touchée. Ouais, c'est ça, au pire, t'as interverti les deux bières. On fait une deuxième gratis. L'idée, c'est plus de bouger dans la salle pour observer d'un autre angle, je pense. Il y a des portes, à part celle qui mène aux cuisines, je suppose. Il y a une porte, il y a un escalier qui monte pour l'étage. Est-ce qu'on a pu voir du monde monter à l'étage ou pas ? Pas trop à cette heure-ci de la journée. Ça marche. Je précise à Sidix, est-ce qu'on n'irait pas éventuellement fouiller peut-être à l'étage ? Des fois que, il faudrait faire en sorte qu'on nous grille pas. On peut toujours demander une chambre. On peut toujours demander une chambre. Gilles ! Je me lève, accompagné de mon problème qui me suit toujours hein, de pas loin. Je m'avance vers le tavernier, enfin, mec au comptoir. Excusez-moi, mon brave. Ouais, brave. Qu'est-ce qu'il veut ? Politesse. Vous n'auriez pas à tout hasard une chambre, quelque chose du genre ? Je vous avoue que je suis un petit peu embarrassé d'aller demander ailleurs. Ouais, on a des chambres. C'est possible d'en lui une. Ouais. À l'heure ou pour la nuit? Ah, petit cantal mais grand par l'appétit. La nuit. Oh. Ouais. Ouais. Ouais, je vais vous donner ma suite. Et il se retourne, il prend sous son bar et puis vous donne une clé. Grâce. C'est en haut. Du couloir à droite. Je vous remercie. Et amusez-vous bien. Tous les trois. J'y compte bien. Et moi, en sirotant un peu ma bière, je recrache un peu en éclatant de rire. Je signe à Sidix en me dirigeant vers l'escalier de me suivre. Et pendant ce temps, ouais, donc, moi, pendant ce temps, je continue d'essayer de regarder si je vois une trace de. Du logo de Bane, enfin de la marque de Bane. Voilà. Du blason. Du blason. On va faire un jet de sagesse. Bon. Non, tu ne repères rien d'autre. Ok, donc vous montez tous les trois l'escalier, arrivé sur le palier en haut. Je me dirige du coup vers la chambre indiquée, la suite fameuse. Ok, donc. Un peu sur mes gardes, le golem presque, enfin je fais passer même mon golem devant. Ok. Et en passant devant les chambres, je tends l'oreille pour voir si j'entends quelque chose de particulier. Ok. Et, Bah, tu veux me faire un jet de sagesse, hein. Je me fais vieux. J'entends rien. Ouais, hein, tu. Dans l'oreille, mais. Non. Rien de particulier qui attire. C'est dur de dire, quand même. Et donc t'arrives devant la porte qui t'est indiquée. Elle me se décale, je mets la clé, je tourne, pousse la porte. Ouais. Et devant moi se trouve. Il y a une chambre. Une chambre avec un grand lit. Une couche de poussière assez impressionnante. Tu vois que les draps, a priori, datent de l'auberge, vu leur état. Des taches, c'est bien, ça prend feu vite. Ouais, mais tu te dis, il doit y avoir une colonie de puces là-dedans, hein. Justement, ça prend peu vite. Il y a un nouveau écosystème qui migre. Donc. C'est ça. Il y a pas d'autre porte, rien. C'est juste une piole, la personne. Dans la chambre, non, il n'y a personne. Hein. D'accord. Dans la chambre. Et puis on essaie d'écouter un peu. Enfin, moi j'essaie d'écouter un instant. Je mets le golem à côté de la porte. Je m'approche pas du lit, hein, le drap. Oui. Je regarde toutefois s'il y en a que je peux embarquer, faire une boule ou des produits qui traînent, s'il n'y a pas un meuble. Pour préparer potentiellement un truc à faire brûler. Il y a les draps éventuellement. Hein. Un truc qui brûle mieux. On va faire une longue, bonne boule de draps à faire brûler au cas de besoin. C'est ce qui doit brûler le mieux, oui, sur les clés de draps. Hein.
Herbert le pyromancien. Alors, mais un établissement comme ça, je ne le conçois pas. Hein, seul moyen de nettoyer ça, à bout d'un moment, c'est par les flammes. Hein. Franchement, il y a des limites à tout quand même. Les gobelins, okay. Je veux bien, mais ça, tout de même. Zidix, vous n'êtes pas d'accord? Ah bah non, quand même, faut penser à la personne. Il est en train de vivre ici, c'est son lieu de travail, c'est sa maison, enfin quoi qu'il... On dirait plutôt une grotte, quoi, mais... Vous avez une étrange morale, moraux. Bref, pas passons. En fait, vous avez des trucs... Bon, Mia, Liam, mm-hmm. Où est l'extérieur? Il faut l'amener au PAD. Du coup, je vais essayer de faire rentrer Mia, et pour ce faire, je vais assombrir la salle avec le sort ténèbres, si j'ai le droit. D'accord. Je vais rien voir non plus. Hein. Ah oui, mais, je sais, mais... Au moins, ça va perturber suffisamment le monde pour que tu puisses rentrer, qui sait. Ok. Donc, bah, tu rentres dans la salle, hein, et mm-hmm. Une fois que t'es rentré, en fin de compte, hein, tu commences à te concentrer, infuse ton énergie, en fait, hein, et les ténèbres qui commencent à se recouvrir tout autour de toi, hein, toute la pièce, en fait. Toi, Mia, bah, tu suivais, hein, et tu vas me faire un G. Un jet de sagesse, en fait. Tu vas me faire un jet de sagesse. Encore un. Pour essayer de te repérer à tâtons. Alors, tu te repères, hein, mais c'est vrai que c'est pas facile. Hein, et puis, oh, qu'est-ce qui se passe là? Oh, qu'est-ce qui a éteint la lumière? C'est quoi ce bordel ici? Tu commences à entendre des cris. Comme là, tu commences à avancer. En fait, quand tu te prends les pieds à un moment dans une chaise, tu tombes un petit peu, tu te ramasses, tu te relèves. Donc, Liam, tu le laisses durer combien de temps, juste les 5 secondes, vraiment le temps de faire rentrer Mia. Ok, ça marche, hein, et puis tu dissipes le sort, en fait. Hein, la lumière revient. Ah, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Mia, en fait, compte, hein, t'as réussi à te mettre dans la queue de la pièce. Tu t'es cogné, t'as dû te faire un bleu à la cuisse, sûrement. Moi, je bâche mes cul par terre, cette fois. Et voilà, t'es en tout cas, t'es entré. De discrétion, voilà. C'est... Ok, du coup, je suis où par rapport... Je suis où, du coup, là? Je suis quoi? Je suis, bah, t'as longé le mur, hein. T'as pas pu faire beaucoup mieux que de longer le mur, donc t'as avancé un peu vers le coin... Je suis près des escaliers, sur la droite. Ou... Non, du coup, les escaliers sont de l'autre côté de la pièce. Ok. Alors, de là où je suis, je vois tout le monde dans la salle. Je reconnais mon homme, ou... Bah, tu vas me faire un G. Sagesse encore. Oui. Je peux essayer de faire un jet pour essayer de repérer personne. Tu regardes, mais non, tu ne vois pas ton homme dans la pièce. Ok. Tu vois, tu repères Wameux qui est au bar. Mm-hmm. Par contre, tu ne vois pas Herbert et Sidix. Ils ne montent pas à l'étage. On pourrait avoir besoin des talents d'une voleuse, mais bon, je n'ai rien de ça. Je vais, vu que je les vois pas, il y a pas d'autres enfin, doit y avoir le truc qui ramène vers l'arrière de l'auberge, là où j'ai essayé d'entrer. Bah, il y a une porte derrière le comptoir. Voilà, et sinon c'est les escaliers. C'est ça. Rien d'autre. Y a pas de cave ni... On voit pas en tout cas de où tu es. Ok, bah je vais essayer de me diriger tout en discrétion vers les escaliers. Mmh. Ouais, bon, t'es quand même en plein jour dans une auberge, hein, donc... Ouais... Elle est sombre, donc ça passe. Donc, toi, de ton côté, Liam, qu'est-ce que tu fais? Tu peux être rentré? Moi, je vais m'asseoir à côté de mes collègues. Il y a que Wameux, hein, tu vois pas les autres. Oui, avec Wameux. On essaie de voir s'il a trouvé quelque chose, ou essayer de voir si on trouve nos personnes, je sais pas. Ok, ça marche, hein, donc tu t'installes à côté de Wameux, au comptoir. Tu sens le comptoir qui est collant, hein, c'est... Ici, ça colle. Je touche même pas le comptoir. Ce qu'ils ont pas fait, justement, pour qu'ils collent. C'est le ménage.
Bah toi, Mia, hein, t'avances vers l'escalier, tu commences à poser un pied, en fin de compte, sur la première marche, deuxième pied sur la deuxième marche, hein, et t'entends « Oh ! Réserve aux clients, là-haut ! Qui consomme ! Vous avez pas de chambre, ici. » Ah bon ? C'est l'aubergiste qui t'a aidé. Du coup, tout le monde te regarde dans la pièce. Hein. Salut les gars. On va... Je vais prendre une bière, alors. Est-ce que moi, je l'entends de là-haut ? Bah, fais-moi un G pour savoir si t'as entendu. Il y a des chances, hein. C'est pas une grosse difficulté. Pas... Ouais. Bah, moi, j'ai pas entendu. Oui, t'as entendu les toits du joueur. J'ai entendu Mia parler, c'est ça ? Alors, t'as pas entendu Mia parler, mais par contre, t'as entendu « Oh, c'est réservé aux clients, ici !» T'as entendu l'aubergiste, en fait, parler fort. Mm-hmm. Bah, je jette un coup d'œil par les escaliers pour voir ce qui se passe. Moi, je peux... Oui, moi, même. Non, vas-y. Tu jettes un œil, en fait, hein, et tu regardes, tu t'avances un petit peu, et tu vois que, oui, apparemment, c'est Mia qui est en train de se diriger vers le bar. Moi, je me tourne vers l'aubergiste, et je lui dis... Oh bah, si elle veut une chambre, je ne veux pas lui refuser. Vous en avez encore une de libre ? Pour, une heure ? Pour la nuit. Une heure, ça ira bien. Très bien. Il sort une clé crasseuse sous le comptoir. Tu lui payes. Et au même bien, alors que tu arrives, et puis il vous regarde et fait « Bah, amusez-vous bien. » T'inquiète. Voilà, j'ai une chambre. Allez, viens. On va bien s'amuser. Il y a beaucoup de regards dans la salle qui. Petite jeune fille. Bah, vous montez tous les deux l'escalier, donc laissant Liam seul. Moi, ça va. Je suis un peu dans le décor avec ma robe noire et tout. Ça va. Tu t'es pas dépareillé. Et donc, vous, quand vous montez, vous voyez au fond du couloir, justement, une tête, et puis vous voyez, c'est Sidix qui était en train d'observer, en fait. Je fais un petit coucou. Et toi, tu les vois, en fait. Donc, vous voyez, il est apparemment dans la chambre, dans le fond du couloir. Ok. Il y a combien de chambres dans ce couloir ? Combien de portes ? Il y en a 6. Donc déjà, on a deux clés, donc ça limite les portes. La première qui n'est pas une des nôtres, je vais écouter à la porte, regarder par la serrure si je peux. Mmh. Vas-y, tu vois un petit sujet de sagesse. Hein. On fouille, on fouille. Ok, tu n'entends rien. Ok, je vais faire pareil à la suivante. Mmh. J'entends rien. Tu n'entends rien. Retourne tes bouchons d'oreille. C'est dit ? Tu n'entends rien. La suivante. Tu n'entends rien. Ok, c'était la dernière là. Oui. Ok. Vous avez... Bon, là, moi, j'ouvre la porte de la pièce du fond. Ah ouais, elle est ouverte, hein, vu que Sidix était en train de regarder l'autre côté. La porte. Je fais une jolie petite boule avec plein de... tous les draps qui traînaient, c'est immonde, j'ai l'impression qu'on me bouffe le bras. Je jette vers les escaliers. Ouais. Je propose qu'on ouvre toutes ces portes. Amuse-toi. C'est vous la spécialiste, je crois, non ? Attends qu'on descende quand même, parce que si ça prend feu en bas, ça sera un peu compliqué pour descendre. Ah, j'ai pas dit que j'allais allumer toutes les portes, j'ai dit qu'il fallait ouvrir. Avant d'essayer d'ouvrir de manière... je regarde juste si la première porte à ma portée, là, elle est juste ouverte en appuyant sur la poignée. Hein, vous pouvez faire pareil. Je ferme une clé. Ferme la clé, je l'ouvre. j'essaye de l'ouvrir. Vas-y, crochette. Une petite oisille. Oui, tu l'ouvres sans problème. Hein, tu ouvres la porte et chambre vide, crasseuse. C'est vraiment répugnant ici. Je vous l'avais dit qu'il fallait tout faire brûler.
Allez, suivante. J'essaye d'ouvrir la suivante. Sinon, on peut mettre le feu et comme ça les gens sortiront et on aura plus de. On peut les fermer à clé, hein. Oui. Pardon. Voilà. Sans problème. Et c'est vide et crasseuse à nouveau. Critique gâcheuse. Ah, mais c'était ça le fumble, hein. C'est ça, je dis rien. Suivante. Tu l'ouvres sans problème non plus, hein, et même constat. Putain, s'il n'y a personne dans la prochaine, il nous a semé. Alors, même constat, vide et crasseuse. J'ai eu un bref espoir. Ah, il dit pas tout de suite que c'était vide, il y a peut-être quelque chose. Eh ben non. J'étais en train de remettre de la zik en fait. Il n'y a plus rien. Brûlons tout ça. Ouais, alors avant de brûler, faudrait qu'on se dispatche. Il y a une deuxième sortie à l'auberge. Ça ? Par derrière. Vers les cuisines. Ouais. Ouais. Le problème, c'est qu'on. Je vois pas comment on pourra repérer la personne, parce qu'il n'y a que toi qui l'as vu. Bon, vous bloquez tous les gens qui sortent par l'arrière, il ne doit pas y avoir grand monde, et puis on fera du tri après. Le plus important étant de regarder surtout la sortie principale. En tout cas, il n'était pas dans la salle en bas, ça c'est sûr. Donc, s'il est ailleurs, il sortira certainement par la cuisine. Enfin, il y a des grandes. Moi, je décide de sortir et me positionner au niveau des cuisines. À l'extérieur. Hein. À deuxième sortie. Ça marche. Moi, je commence à récupérer tous les draps de toutes les chambres pour faire un gros tas dans celle du fond. Ok, et je reviens dans 30 secondes. Faut que j'aille aux toilettes. Ouais, vas-y. Donc, les autres, oui. Moi, je vais rejoindre Sidix et Wame. Toi, ouais. tu check par. Enfin, tu te postes à l'entrée de l'auberge. Et si tu vois quelqu'un qui n'était pas dans la. Dans la salle. On va repérer s'il y en a un qui sort d'une porte ou. Ouais, tu l'accostes et tu le fais. Tu le maintiens. Voilà. Tu lui mets un pain, quoi. Ouais, assomme-le. Sinon, je suis pas sûr de pouvoir retenir tous les gens qui sont dans la salle et. Non, juste s'il y en a. Je propose que je ferme la porte d'avant, à l'entrée, qu'on les enferme tous dedans et qu'on fasse brûler tout ça. Qu'ils sortent tous par derrière. Si je puis me permettre, si cette personne est vraiment celle que nous suivons, je doute qu'elle sorte par la sortie principale, elle sortira plutôt par l'arrière, elle doit connaître les lieux. Si je me permets de bloquer définitivement la sortie principale. Ça nous fait une sortie de moins à vérifier. Et je suis sûr que les gens qui sont ici sont loin d'être des citoyens modèles. Ou sinon, il est déjà parti depuis longtemps. Mais bon. Bon, je vais me poster en bas, cuisine. Ok, on fait comme ça. Très bien. Okay. Dirigez-vous vers l'arrière. Je m'occupe de déclencher un petit incident et de m'occuper de bloquer la porte. Ok, donc toi, Liam, tu vois Mia et Sidix qui sortent de l'auberge. Moi, je redescends du coup et je redonne. La clé à l'aubergiste et je En passant, je fais. Bah, déjà fini Ouais, il est rapide Non, t'es déjà sorti. C'est qu'elle sait y faire. Ouais, t'es sorti avec quelqu'un d'autre, toi. Ah oui, c'est sorti avec Liam. C'est qu'elle sait y faire, c'est pour ça. C'est bien. Elle est douée. Du coup, moi, j'attends que tout le monde soit sorti. Je jette du coup une potion de feu grégeois sur le tas de tissu tout au bout. Je commence à déclencher l'incendie. Je m'en retire une du coup. Les deux. Et en sortant, je referme la porte derrière moi et j'incante un blocage pour la bloquer. Avec le mot-clé que je ne divulguerai pas ici. Oh. Ça marche. Donc toi, Liam, après tu vois Herbert sortir en fait... de l'auberge. D'accord. Donc ils t'ont laissé à l'intérieur. D'accord. J'attends encore un petit peu et puis je sors tranquillement. L'air de rien. Porte devant est bloquée. T'attends un petit peu, c'est vrai, et puis
tu sens, t'as l'impression que ça sent le cramé, puis on a... Hey, ça sent le cramé, là! Qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, bah, toi, tu étais en train de te diriger vers la porte, et tu vois que la porte est bloquée, en fait. Oh! Ah, mais il y a le feu, là! Oh! Et tu vois que il y a des gens qui commencent à aller vers la porte, hein, et tu commences à être poussé contre la porte, et la porte est bloquée! Qu'est-ce qui se passe? Et ça commence à être un peu la panique à l'intérieur, hein. Toi, t'es bloqué contre la porte, t'es bousculé de tous les côtés, les gens qui commencent à repartir de l'autre côté, vers la cuisine, en fait. Tu vois l'aubergiste qui essaie, commence à monter avec un seau d'eau. Ah, il y a le feu, il y a le feu! Et les gens qui commencent à sortir, mais c'est voilà, panique, hein, t'es bousculé de tous les côtés, en fait, intérieur. T'arrives au bout d'un moment à sortir, hein, et puis là, quand tu sors, tu vois Mia, en fait, et Sidi, qui sont un petit peu plus loin, qui sont en train d'observer, et toi, tu ressors, t'es sonné un peu, par limite, tu t'es fait piétiner, et vêtements un peu déchirés. Quand je ressors, ah, vraiment, bravo, les gars, bravo, super. Désolé. J'ai oublié que le mec n'était pas monté. J'applaudis ce plan. Surtout rassure-moi. L'auberge, elle a bien pris feu. L'auberge a pris feu et tu vois que les gens sont en train de faire une chaîne en fait pour commencer à faire une chaîne pour ramener de l'eau pour dire de pouvoir éteindre l'incendie. Une chaîne en train de se constituer avec diverses personnes, des passants qui commencent à aider. Au bout d'un moment, vous voyez des gens qui... Parce que ton sort de blocage, en fait, il empêche d'ouvrir, mais... Je veux dire, il renforce la porte aussi. Il renforce un peu la porte, ouais. Ouais, donc au bout d'un moment, la porte, elle est, voilà, elle est explosée. Et puis... Une porte de merde, ça va pas beaucoup la faire durer, quoi. Mais voilà, ça prend quelques temps, mais ils arrivent à la défoncer. Et puis les gens qui commencent à faire la chaîne avec des seaux pour dire d'éteindre le feu. Bah, ça risque de bien prendre au feu avec toute la crasse qu'il y a dedans. Bien ce que j'espère. Est-ce qu'on a vu notre homme sortir? Bah, vous avez vu beaucoup de personnes sortir. C'était un peu la panique en fait. Vu qu'ils étaient tous en noir en plus, ça y est, c'est simple. Donc, t'as pas vu... Bon, ça valait le coup de tenter. Ce plan fut un échec. C'est ça. Pas complètement. Ah bon, pour l'hygiène de la ville, c'est un c'est une victoire. Je sais pas, Yam, ton avis sur ce plan? Ah, dégâts collatéraux. Mes plans sont déchirés. C'est pas vraiment ce que j'appelle un bon plan. Maman, attends, viens par là. Et je lui essuie le visage avec ma manche. Ça oui, va mieux? Avec la seule que t'as essuyé la tête. Ouais, c'est avec la même manche, mais que elle a essuyé la tête. Elle s'est collée à la manche. Ah, d'un coup, vous avez l'air de scintiller, mon cher Yann. Vous brillez même à la lumière des torches. Et de l'incendie. C'est quoi, c'est j'espère que t'arrêtes pas de bain parce que je crois que ça fait une épilation là. Non, il est imberbe, hein. Il est glabre. Il est imberbe, ouais. Moi, je me pose de sérieuses questions sur les valeurs de la guilde et son honnêteté. Hein. Je m'étonne. Je vois pas pourquoi. C'était fait avec les meilleures intentions du monde. J'avais entendu parler des héros de Deadlock, mais pas qui cramaient des auberges. pas des pyromanes de Weymouth. Dans la panique. Ah, oh, t'as vu la population de l'auberge? Ça peut être que bien. Ouais, je crois. Bon, c'est dommage. Vu la qualité de la bière, franchement, on rend service à la population. Hein. Ah, c'est clair. Ce n'est pas une grande perte pour le guide touristique gastronomique de la ville. Bon, qu'est-ce qu'on fait? J'imagine que le temps s'est un peu écoulé entre temps. Bah oui, hein, bah là, ils sont. Tu vois qu'il y a des. La chaîne hein, de sauts qui sont en train de. Et puis au bout de quelques temps, bah, l'incendie arrive à être maîtrisé. Hein, bon, vous restez là à regarder. Je pense que pour ce soir, nous avons fait chou blanc. Faire profil bas, à mon avis. Ouais.
Oh, avec la panique, personne n'aurait fait attention à nous. C'est ça. Donc, je propose que nous allions nous restaurer. Je vous avoue que la fatigue se fait sentir et que j'aimerais bien refaire quelques stocks. Moi, je serais d'avis de retourner dans l'auberge une fois éteint, enfin celle qui est incendiée, pour regarder s'il n'y avait pas une trappe ou une cave ou une connerie comme ça. Il n'y a plus personne dedans. Mais il y aura encore un peu de monde. Non, mais faisant mine d'aider les gens, quoi. Je me suis posé la question de m'intervertir sur la chaîne de saut pour en faire tomber, volontairement, mais. Volontairement, excessif. Je pense qu'on aura du mal à fouiller avec les cendres chaudes. Ça, on risque de se brûler les mains. Ouais. Bon, on ira voir ça demain. Demain matin. Ouais. À la première heure. Des fois qu'un deuxième incendie ne se déclenche pas. Ok, donc vous retournez à la bonne marmite, c'est ça? C'est ça, ouais. Mmh, oui. Parce que l'endroit sera toutefois plus agréable que celui-ci. Ah bah, quand vous arrivez, oui, c'est nettement plus agréable. Hein. Vous voyez que c'est une auberge qui est vraiment bien tenue. Et donc, je vois que vous avez retrouvé vos amis. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'est Mia. Je vous présente. On a déjà déposé nos papiers dans la chambre. Bien. Enchanté. Vous avez déjà pris des chambres? Ouais, c'est bon. Une chambre est réservée pour vous. Elle vous donne la clé. Ok, merci. Serait-il possible d'avoir une collation accompagnée de quelques rafraîchissements, ma chère? Avec des bulles. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vous ramène ça de suite. Je vous remercie. Donc, vous vous installez une table et puis ensuite elle vous ramène 5 assiettes de ragoût. Du ragoût de mouton. Et ensuite, elle vous demande ce que vous voulez boire, de la bière ou du vin. De la bière, c'est pour enlever le mauvais goût que j'ai dans la bouche. De la bière aussi. Une bonne bière, merci. Pareil, madame. Ok. Bah, du coup, elle vous ramène un jeune pichet pour de bière et. Mais non. Ouais. T'es trop jeune. Mais non. Un verre d'eau. Alors, je suis pas trop jeune pour monter dans les chambres d'hôtel avec des hommes, mais je suis trop jeune pour boire une bière. Exactement. Forcément, je m'exclame. Ouais, l'aubergiste, vous voyez qu'elle regarde un petit peu bizarre et. Vous croyez ça, madame? Vous avez vu comment ils sont avec moi? Cidix, si je ne m'abuse, c'est notre chef là, pour l'expédition, donc je pense compliqué de lui dire ça. Après, tu vois avec elle, mais. Elle vous ramène un pichet de bière avec 5 verres. Merci! Et c'est culturel! C'est de la gastronomie! La gastronomie. Est-ce qu'il y a un moyen de se nettoyer un peu? Oui, bien sûr. On refoule, hein. J'avoue, c'est le barbare qui propose ça. Est-ce que vous voulez. Quelqu'un vérifier son pedigree? Moi, je suis méfiant là. Dans la chambre, en fait, hein, vous avez de quoi, et puis donc elle peut vous faire chauffer de l'eau si vous le souhaitez. Hein. Oh, de l'eau froide, ça ira bien. C'est un babar coquet. Non, moi je veux l'eau chaude. Ça va pas ensemble. Il se peigne les cheveux, il se peigne les jambes. Il se fait les tresses aussi. C'est ça. Il se fait des petites fleurs dessus. Il se lave au savon. Tu voudrais que je te fasse des tresses moi-même après? Non, c'est bon, merci. Il se lave à la bière. Ok. Vous mangez. Je suis pas un nain non plus. Vous buvez, ensuite vous vous lavez pour ceux qui le souhaitent. Et c'est vrai que la fatigue se fait ressentir clairement. Et vous allez tous dormir derrière. Donc vous avez une seule chambre hein, pour une chambre avec 6 lits. Hein, donc vous trouvez assez rapidement le sommeil. Hein. Je laisse mon golem en garde au milieu de la pièce. Et avant de dormir, j'en profite pour refaire mes potions, les deux que j'utilisais. J'en m'en barda. Ça marche. Je propose que nous fassions une courte pause. Ouais. La réputation de la guilde n'est plus à faire. Je vois pas de quoi tu parles, Cléco. En fait, c'était pas pour des loups, que le problème qui sont venus les dragons pourpres. C'est à cause de nous. Oui, c'est bien, on va continuer à rajouter de l'eau au moulin. Personne ne sait que c'était nous. Bon, on va faire une petite pause. En tout cas, moi je vais faire une petite pause. Si tu veux laisser discuter avec le chat, il n'y a pas de souci. À de suite. À de suite.
mis avec 4 hommes dans une chambre. Ouais, t'as vu ça? Quand papa saura ça, ça va faire mal. Ah ouais. Ça. Hein? Mia et 4 hommes. C'est un remake de Bryzer, non? Je vois pas de quoi tu parles. Ah. Bon, à quel point vous pensez qu'on est dans la merde? Jusqu'au cou. Ouais, pas mal, ouais. Ça paraît bien. Donc là, une journée pour retrouver leurs traces avant qu'ils commettent leur forfait. On sait pas où c'est, où vous savez. Hein. Mm-hmm. 12 sur 10, 200%. Ouais. J'attends votre rapport, Mia, sur mon bureau, mais Liam vous sortira d'affaire. Comment il me sortira d'affaire? Moi j'avoue, je sais pas. Ruggers. Il se passe quoi? Bah, il se passe qu'on est dans la merde. Liam, c'est un badass. Pas vraiment, hein, Liam, il est plutôt discret dans sa façon d'être et de faire. Donc. C'est bien, ça équilibre avec Mia. Le bon duo. Les deux phases d'une même pièce. Ténèbres. Heureux. Heureux. Bon, du coup, j'ai dû me faire repérer et il est sorti direct par l'arrière, hein, c'est mon avis. Il a de fortes chances. Ouais. Bon, du coup, ce que je disais, c'est que ouais, tout ce que j'ai pu savoir, c'est que ces trois personnes avaient rendez-vous le lendemain soir où ils savent. On aurait dû demander à l'auberge, qui étaient ces personnes. Au l'aubergiste. On peut toujours retourner à l'assiette pleine, hein. Ah, pas celle qui était cramée. Ouais, c'est ça, l'assiette pleine, ouais. Ouais. Mmh. Celle qui est cramée, c'est la pose du roublard. C'est ça. Il retournait à l'assiette pleine demain. Et puis on verra maintenant les cendres du roublard. Et si tu les vois. si tu les vois, ben. Essayez de les. On va essayer de les faire parler. Que j'ai le logo, enfin j'ai le blason, je pourrais leur poser ça sur la table et aller au culot. Tu fais passer pour un des leurs. Exactement. Donc tout ça pour rien, bravo les aventuriers, vous faites honneur à la guilde. Ah, bon, on va pas gagner à tous les coups, hein. Faut tenter. Mais on des a choses. Rendu service à la communauté, elle était dangereuse cette auberge. La preuve, regarde. Un pauvre début d'incendie et tout qui crame. Franchement, c'est un risque, hein, surtout en agglomération. Hein. C'est ça. Le bourgmestre a déclaré que l'auberge était insalubre. Il a fallu utiliser des méthodes radicales pour la sécurité. Les bâtiments avoisinants ainsi que... Inspecteur d'hygiène. Une voleuse débauchée, un gnome pyromane, un barbare propre, un nécromant ténébreux et un rôdeur pervers. La succession est assurée. Mais je dis qu'on part bien avec ça. Non mais moi mec, c'est les gens, je me doute bien, mais bon. Je vais voir ton message. J'espère rien. Non, mais Colvar, il est aussi que toi. Hein. On a la même valeur. Ah, tu dois avoir des stats de pouvoir encore. Il y aura une petite surprise à un moment donné dans le scénar. Ah. Ah bon? Toi aussi, tu fais déclencher un incendie? Colvar, on lit le rêve. Ouais, ou pas, hein.
Ça fait peur dit comme ça. Ouais, enfin, on le voit en lit de le rêve. C'est un coup à finir soit complètement ivre-mort dans la première taverne, soit déclencher une bagarre générale avec la garde de la ville, quoi. Et là, la réputation de la guilde sera toujours au top, honorée. Ah là là. Mais ça, une taverne comme ça, de ma communauté natale, jamais ça passe. Hein. C'est passible d'emprisonnement à vie. Hein. On rigole pas avec la boue. Bon, et quand Courtois qui encadre une équipe de nouveaux et nouvelles recrues aussi. Il fait pas partie de la guilde, Courtois. Donc, il n'en est pas loin, mais il n'est pas membre. Non, mais il refuse de faire partie de la guilde. Donc, il prendra jamais un lien, je pense. Dommage. Mais Courtois et Olvar dans une équipe, tu rigoles. Hein. Cricri qui demande si le feu n'a pas pris d'autres maisons. On est pur le conseil des anciens aussi. Ça n'empêche pas que Courtois peut être un mentor ou un tuteur. Ok. Bon, c'est un peu bizarre s'il fait pas partie de la guilde, non? Il peut accompagner. Ouais. Ou voilà, apprendre à ceux qui s'intéressent à ses arts. Par exemple, un certain Zoltan qui arrivait récemment, moine de son état, il pourrait lui apprendre des choses. Cela dit, les soi-disant anciens sont pas ceux qui ont mis le plus de PO dans la création de la guilde. C'est pas toi, Mana, qui a mis le plus de PO ? Bah si. Et les anciens ont 23 ans. Mais le conseil des anciens, c'est ceux qui dirigent la ville, Gurz, hein, c'est pas ceux de la guilde. Nous, on a. Enfin. La guilde. Non, mais les anciens, je pense qu'il disait les anciens, les vétérans de la guilde. Ouais, non, mais il a dit le. On est pur le conseil des anciens. Ah, pardon. Bon, je suis pas sûr que ça passe avec certaines personnes quand même. Je pense que t'as quand même deux paladins dans la guilde. Ça passe moyen quand même. Hein. Allô ? Oui. Ah. Je crois que vous ne m'entendiez pas. Pas de pitié pour les croissants ? Pardon. Eh bien, je vous propose que nous recommencions. Je regarde un peu le chat. Rien de particulier, à part des conseils apparemment des anciens de la guilde. Tentative de putsch. C'est ça. Ah. Non, on parlait de Courtois, on voulait qu'il... qui soit leader d'une équipe de jeunes recrues. Ça pourrait être marrant. S'il y a MJ qui ose faire ça. Il est tentante. Oui, je dis pas qu'il revienne. Hein. On va même préparer une équipe de choc avec certains personnages très spécifiques. Bah, l'équipe de choc... Déjà samedi dernier, c'était pas mal au niveau équipe de choc. Hein. Ouais, mais tu mets avec Courtois, Olvar, Mia, Wame. C'est parti. Ouais. Bon. La nuit s'est passée tranquillement. Donc, le matin, après vous êtes débarbouillé, vous descendez dans la salle. Vous voyez l'aubergiste qui est affairé. Il y a quelques tables qui sont occupées. Vous avez bien dormi ? Impeccable, comme à l'heure. Parfaitement bien. Ah, vous voulez un petit déjeuner ? Avec plaisir. On sera pas de refus. Installez-vous à votre table, je vous ramène ça de suite. Donc elle vous ramène du pain, des fruits, il y a de la charcuterie, du fromage, du lait. Et donc vous êtes en train de vous restaurer. Et la porte qui s'ouvre. Au feu ! Au feu !
Et vous voyez une agitation à l'extérieur, en fait. Moi, je regarde Herbert. Herbert. C'est pas moi. J'imagine bien, t'as tout à table qui se retourne vers Herbert. Non, c'est pas moi. Bah, je me lève et... pareil, je sors pour aider à éteindre le feu. Bah, tu... Voilà, hein, pour, vous sortez tous ? Bah ouais. Moi, je sors, mais pas pressé. Après, ok, ça marche. Vous sortez du stage, vous voyez. Base, et puis... bah, vous étiez déjà équipé, hein. Mais... J'ai toujours un bout de fromage à la main. Que... Et vous voyez, bah, la foule qui commence, hein, et puis bah, une chaîne humaine qui commence à se faire, un peu comme la veille, hein, et puis des sauts qui commencent à se faire, hein, et puis vous voyez, bah, a priori, c'est notre auberge, qui est l'auberge, le géant des collines, hein, qui a été incendié pendant la nuit. Hein, vous voyez que les chaînes se font. Hein, Mia, tu vas me faire un jet de sagesse, s'il te plaît. Ah bah pour changer. Il y a beaucoup d'auberges dans cette ville. Oui. Faire un point de chance. Hein. À un moment, en fait, compte. Hein, vas-y. Ah. Bah vas-y. Ouais, joli. Tu... Ouais, et puis tu remarques, en fin de compte, hein, personne que t'avais pisté hier, en fin de compte, tu le vois à un coin, en fin de compte, d'un bâtiment, et qui est en train de faire volte-face. Ok, bah je le suis. Ça sent le piège à con, okay. Je fais un signe aux autres pour dire que... Pour dire je file. Okay. J'arrête d'aider et je... Donc bah vous commencez à suivre Mia et puis toi tu le vois au moment où t'arrives là où il était en fait hein, tu le vois de l'autre côté de la rue, il se retourne en fait quand en vous voyant et tu le vois partir en courant. Moi je me mets tout de suite à courir après lui. Ok, donc ça sent le piège mais tant pis hein. Vous courez tous? Oui, moi j'essaie de tomber avec mal dessus mais s'il cavale je vais pas pouvoir facilement les rattraper donc considère que je vais être en retard. Donc bah vous allez tous le faire à distance. J'essaie de le garder le groupe à distance. C'est dit que c'est okay. Court. Ouais, je vais pas téméraire. Hein. Ah. Vous allez tous me faire un jet de dextérité. Moi j'ai plus 2 au mien. Donc ça me fait 15. Ok. Ça me fait 15. Ok, oui. Ça marche. Hein. Bah clairement. J'ai un point de chance. Hein. T'es donc vas-y. J'aime pas faire que des 1 en ce moment. Voilà, c'est mieux. Ok, donc Liam, t'es assez rapidement distancé. Herbert, t'arrives malgré tout à tenir la cadence, hein, à peu près au même niveau que Sidix et Wame. Par contre, Mia, vous la voyez partir en fin de compte, bondir au-dessus à un moment d'une étale, passer entre deux passants, et toi, un vrai félin, quoi. Voilà, tu t'arrives à le suivre en fait hein, dans la foule. Vous voyez, tu vois que lui, il a l'air de connaître hein, les endroits. Il passe au-dessus d'un tonneau à un moment. Il pousse. Hein, toi, tu sautes au-dessus de ce qui vient de pousser. Tac. Vous suivez en fait. Hein, pensez à un moment avoir perdu Mia. Vous la voyez au bout. Elle vous a distancé un peu, mais vous arrivez encore à la voir. Sauf toi, Liam, qui tu traînes un peu la patte, toi. Hein. T'es passé par un gnome et un golem, quand même. Hein. Shame. Je suis comme ça. Forcément, les jambes, elles sont aussi comme ça, donc bon, c'est normal. Et au bout d'un moment, en fait, tu vois que... arrivé dans... quartier un peu plus... les maisons un peu plus rapprochées, tout ça, hein, et toi, Mia, tu te planques un moment, tu souffles un petit peu et tu le vois rentrer en fait dans une petite bâtisse, petite cabane en fait. Tu vois qu'il regarde à droite, à gauche, a priori t'as pas repéré, et il rentre, vous, Herbert, Sidix, Wame, un petit peu après Liam, vous arrivez, vous soufflez tous. Hein, on y est soufflé, ouais. Vous bah, rejoignez, ça, quand tu déjeunais, t'es bien copieux. J'ai pris de mon âge. Et il est rentré dans cette bâtisse. Je propose qu'on... enfin, je vais voir... Ouais. Elles sont vraiment toutes collées. Il n'y a pas genre d'autres sorties ou... Bah là, il faudrait que tu fasses le tour du quartier parce que les maisons sont collées l'une à l'autre. Hein, là. Ok, bah je leur demande de surveiller cette entrée, je fais le tour.
Nous on attend le lien. Ok, ça marche. J'essaie de scruter par la fenêtre, si je peux voir. Oui. Donc toi tu avances du bâtiment, toi Mia tu commences à faire le tour. Hein. Donc Sidix, toi tu approches. Hein, tu colles au mur, quoi, de façon de pas me faire voir aussi. Ouais, non, mais voilà, tu fais ça discrètement, hein, tu regardes, tu commences à jeter un œil, hein, a priori, sans trop te faire repérer, tu arrives à voir trois silhouettes à l'intérieur, à travers la fenêtre. Mia, toi, tu fais le tour, tu vois pas d'autres portes. Ok, bah je fais retour arrière. Ok, bah tu reviens en arrière, là, tu vois, bah, Sidix qui est collé, en fait, à la paroi. Qui est en train de jeter un œil au niveau de la fenêtre. Je fais un signe, enfin je montre avec mes doigts qu'il y a le nombre 3, quoi, pour dire qu'il y a trois individus à l'intérieur, sans parler. Ok, ça marche. Ok, bah je fais 50. Ouais, mais tu défonces la porte. Est-ce que le mieux, ce serait pas de projeter la serrure discrètement, puis après de rentrer d'un coup, plutôt que de défoncer la porte. La serrure est fermée à clé. La porte est fermée à clé. Bah, j'essaie d'ouvrir doucement la porte, voir si elle est fermée à clé. Bah, tu commences à ouvrir doucement la porte. Hein. A priori, elle n'a pas l'air fermée à clé. Et du coup, je rentre d'un coup. Mm-hmm. Et donc, il y a les trois devant moi, c'est ça? Tu rentres, en fin de compte. Hein. Tu pousses la porte, tu rentres. Et tu vois, oui, ils sont trois. Enfin, ils se retournent, en fait, surpris. Et ils commencent à dégainer leurs armes quand ils vous remarquent. Et bah du coup j'en prends un. Enfin après on peut agir sur les initiatives ou je peux agir maintenant. Bah du coup vu que là pour l'instant t'es dans l'autre bâillement de la porte, tu vas agir. Bah, ah oui. Donc je rentre et je sors ma hache du coup. Ok, ça marche. Tu rentres, tu sors ta hache. Attendez, je mets juste une petite musique un peu plus. Elle est comment la fois ? Je peux pas les attaquer encore. Enfin, je pouvais pas sortir ma hache et les attaquer. J'avais pas assez d'action, Olshad. Ouais, non, là tu sors ta hache, c'est tout. Ouais, ok. Elle est comment la fenêtre où je suis ? Elle est épaisse, c'est des petits carreaux. Je peux sauter. Ça a l'air d'être une. Non, c'est des grands carreaux. Elle a pas l'air très solide. Hein. Tire en travers. Ouais, c'est justement. Non, je vais pas tirer à travers, je voulais passer à travers. Voilà. Tu peux, si tu le souhaites. Je sors mon arme et j'essaie de passer par la fenêtre. Enfin, je casse l'arme. Ok, bah tu vas me faire un petit jet de dex. Et tu prends ton élan, hein, et tu traverses la fenêtre, en fin de compte, hein. T'arrives. Tu te réceptionnes assez bien en fin de compte, hein, arc en main, et t'es devant, et donc tu vois ces trois personnes en fait, hein, qui ont sorti leur dague. Mia, toi après quelle est l'initiative ? Eh ben, je rentre à la suite de Wom. Oui, ok. Rapière en main. Ok, ça marche, tu rentres, rapière en main. Liam Herbert, du coup. Liam, vas-y. Ah oui, bah je rentre et au cas où je prépare quand même, je me prépare pour le combat. Toi, à la rigueur, t'envoies. Hein. Si jamais tu peux lancer un sort, tu peux. Hein. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de rentrer pour pouvoir jeter votre sort. Il faut que vous les ayez en vue. Et vous avez la distance, si jamais. D'accord. Non, je vais juste mettre mon sang mordant au cas où. Ok, ça marche. C'est dur, mon parent, donc autant profiter. Donc tu rentres et tu fais ton sang mordant, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ou tu veux. Ok, Herbert. Si je récap, il y a deux comme celui à gauche et un comme celui à droite. C'est ça, tout à fait. Donc il y en a deux qui ont juste une dague. Oui. Et un verre. Il y en a deux. Oui, c'est ça. En fait, ils ont épée courte et rapière. Bon, c'est d'accord. Pas... Oui, enfin, voilà. Ils ont une arme à une main, l'autre, il en a deux. Je vais cibler l'un de ceux qui en a qu'une. Oui. Je vais essayer de lui faire chauffer la lame. Vas-y. Évidemment, ça ne passe pas. Eh non, ça ne veut pas. bah, eux ont été surpris également, hein, donc ils ont juste dégainé leurs armes, hein, et donc. Nous, au round, c'est à toi, Sidix, d'agir. Du coup, le golem s'est avancé à la suite des autres.
Ok, ça marche, il est rentré. Cidix. Bah, épée courte en main, j'attaque le premier. Vas-y. Ah, c'est épée longue, c'est pas épée courte. Ok. Point de chance, à l'arc. Point de chance. Prends ton point de chance. Mon point de chance ? Bon bah, oui. Ok. C'est un fumble, hein. Oui. Ah, d'accord. Échec critique. Ouais. Voilà, bon. Tu touches pas, hein. C'est que... Voilà, hein, t'as essayé de le taper, hein. Lui, il a fait un mouvement de côté, hein, pour éviter ton coup d'épée. Mais c'était pas un échec critique. Mia, t'as combien d'initiatives, rappelle-moi. 17, 18, attends. Réaffiche à 18. Ok, bah vas-y, tu peux agir. Bah moi je vais prendre le plus petit et je vais foncer dessus avec ma rapière. Vas-y, tu peux attaquer. Celui-là le plus petit. C'est un de ceux-là. D'accord. Ok, bah tu lui donnes un bon coup de rapière, hein, et tu lui donnes une bonne estafilade, ce qui lui fait pas du bien. Eh, hey, comme ça t'es encore plus moche. Pas très gentil ça. Maintenant on juge sur le physique. Ah ouais, on est comme ça. Okay, il est très déçu, très désappointé de ta remarque. Hein. Je fais juste une c'est note, déstabilisé, c'est encore mieux alors. Pas si c'est que chez moi, mais j'ai plus de, enfin, j'entends plus la musique perso. Elle est super basse. Elle est super ouais, basse. Attends, je monte un peu la musique alors. D'accord. Parce que là c'est bon. Ouais. Ok. Moi, il t'attaque. Je pense que ça passe pas ta défense, hein. J'ai pas grand chose. Si, ça passe largement ma défense. Ah bah, donc tu te prends 7 points de dégâts. Ok. Donc il y en a un qui t'attaque. C'est lequel qui m'attaque ? C'est le chef. D'accord. Niggert. Alors, celui qui essayait de. Il y en a qui essaient d'attaquer, Sidix, hein. Ouais. Et c'est vrai que. Entraîné dans son élan, en fait, hein. Glisser sur la terre. Ben voilà, c'est ça en fait. Tu venais tout juste de l'attaquer en plus. Hein. Il glisse en fait, hein, et en fait, il se tue lui-même sur les débris de verre de la fenêtre qui est à tes pieds. Et il gît mort au sol. Faut en garder un vivant. L'autre attaque du coup Mia. Passeport. Ok. Liam. Ah non, Wame, t'as pas agi, pardon. Wame. Non, oui. Alors, moi, bah, celui qui m'a visé. Ah bah tiens, j'ai un problème. J'ai perdu ma macro. Je vais lui lancer un petit sort. Pardon, je suis désolé. Vas-y, refais ça, ça arrive. La mort, oui, la nulle, mort nulle, grave. La mort. J'ai glissé le chef. Il a donc glissé ça, sur des bouts de verre, et... il s'est empané avec le verre, quoi. Ok, bah ça passe. Donc c'est alors, on peut faire les dégâts. Ici. Et c'est pendant 4 tours. Donc il en reste 3. C'est que un D6 de dégâts, c'est ça? Oui, c'est un D6 de dégâts par okay. Tour, et ça c'est marche. Pendant 4 tours. Ok, ça marche, hein. Donc il manque un peu d'air. Celui-ci maintenant, hein. Alors, je pense que c'est une action limitée, hein, donc tu peux rien faire d'autre. Oui. Oui. Allez, c'est à Liam. Alors du coup, je vais essayer d'attaquer le gros. Tu qui est sur Wame, vas-y. Ah du coup. C'est... ça ne passe pas. Vous allez nous le vider. Ah non, ça passe pas. Herbert. Donc il reste toujours un des brigands debout, en plus du chef. C'est ça, c'est ça. Faire un peu chauffer les pognes, ça passerait pour le coup. Donc un des brigands, hein, c'est ça, enfin ouais. Un des... celui qui reste, avec dans la main. Celui qui attaque Mia justement. Hein, donc, et il fait tomber son épée en fait, il se prend 8 points de dégâts en plus.
Non, non, c'est pas. C'est pas les dégâts indiqués sont pas les bons. C'est, c'est la durée, pardon. C'est que j'ai pas entendu. Ok, ça marche. Hein. Donc, il a laissé tomber son épée, il se retrouve désarmé devant toi, Mia. Ton golem. Mon golem va aller frapper justement celui-ci. Vas-y. Il touche aussi. Ouh. Et ton golem, en fin de compte, vient, lui donne un coup violent, en fait, hein, et il est estomaqué par le coup qu'il vient de se prendre dans le bide. Sidix, c'est à toi. Ton mort à tes pieds. Moi, j'ai mon mort à mes pieds. Ouais. Leur chef, il est où par rapport à moi? Je suis de dos, je suis de profil. Enfin, il est de face quasiment. Enfin, non, tu peux l'attaquer hein, si tu. Non, je voulais savoir s'il était de dos à moi ou pas. Parce que je voulais l'assommer dans ces cas-là. Non, il est de flanc. Il est de flanc. Ouais. Bon, bah, je le charge avec mon épée longue. Vas-y. Et bah, il t'a vu arriver. Il a fait un pas de côté en fait, hein, et t'as tapé dans le vide. D'accord. Mia. Et ben celui qui est à mon cac, ben c'est pas grave s'il a pas d'arme. Hein. Taper dedans. Et tu le tues. En plus d'être moi, j'étais mort. Vivant, ah bah dis donc. On garde le chef vivant. Oui, il faut l'assommer lui. Hein. Faut le garder vivant. Ouais. On va plus en garder deux à lui. Si je veux donner un coup d'estoc avec ma hache à deux mains, c'est pour les dégâts, ça marche comment? Juste je veux l'assommer en fait avec ma hache. Attends, déjà lui il va agir, lui il va t'attaquer. Oui, pardon. Déjà. Hop, oh, purée. Bon bah en fait je pourrais pas agir. Ah. Je suis à 1 PV. Ah il fait mal hein. Ouais. Ah, mais...